Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le nouveau plateau de Jour de Play. Nous sommes le 13 mars 2024 et c'est la rentrée ou quoi? C'est la rentrée? Yes. C'est la rentrée ce soir? C'est la rentrée pour vous aussi. Oui. Salut à vous qui nous regardez sur Twitch ou ailleurs, ça fait hyper plaisir de vous retrouver depuis ce plateau à l'ancienne. Salut également à toi Gotos, comment ça va? Oh, ça va très très bien. Très 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 bien. Ah ouais, j'ai entendu d'excellentes blagues dans toute cette C'est vrai qu'il y a eu des bonnes vannes. J'ai beaucoup beaucoup ri. Nous avons ri, nous avons pleuré, mais avant tout nous étions ensemble et c'est ça qui est important. C'est vrai. Ouais, je suis prête à présenter les Pégases, c'est bon. on a plein de nouvelles choses à leur montrer, hein, tout ce public, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Avant tout ça, il a tous les pouvoirs, la force et le savoir, c'est notre héros au grand cœur. Il sera toujours, toujours vainqueur, c'est Son Medoku, bien sûr. C'était quoi? Bonsoir. Il y a eu un rire dans mon oreille, je ne sais pas d'où il venait. Ça va, Médoc? Ça va et toi? Bah, ça va, ça fait plaisir de vous retrouver. Yes, vraiment. Cool, il n'y a pas que les gens dans le chat, il y a vous aussi. T'as des props, des accessoires, ça tue. Je suis accessoire. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Yeah. Je vais lancer ma marque Queen Apple. Stranger Things saison 12. Yes, nous avons trop grandi, mais les salopettes sont restées. Donc on est sur une nouvelle saison les enfants, et qui dit nouvelle saison dit normalement changement, mais au final pas tant que ça, parce qu'on a vu que ça vous plaisait bien, hein, la structure qu'on avait mis en place. Du coup, oui, alors on n'est plus en public, c'est vrai, mais c'est pour le moment. En même temps, c'est pas comme si à chaque émission je vous avais pas dit venez, inscrivez-vous. Je leur ai dit ou je leur ai pas dit? Oui, à un moment donné, c'était répété à chaque fois. Donc maintenant, vous allez pas venir chialer, vous vous démerdez. Donc pour l'instant, pas de public, mais dans le doute, vous devriez quand même suivre les réseaux sociaux d'Arte, hein, on sait jamais. Et pourquoi pas de tous les gens sur ce plateau, ce serait intéressant. Parce que cette saison va avoir son lot de surprises. D'ailleurs, première surprise. Vous allez pouvoir gagner des jeux Arte ce soir et les prochaines fois, plein d'autres soirs. On vous a mis en place 3 défis de communauté et c'est des bundles de jeux Arte qui vont être à gagner. Vous avez le lien, je crois, quand vous faisiez. C'est bien, non, ça, on est bien. On est avec saison, les amis de la grammaire. Il y a des surprises, on a rendez-vous. C'est bonsoir. Yes. Quand vous faites point d'exclamation... Défi, voilà, merci RTFR. Voilà, donc vous pouvez gagner des jeux. Dès que vous remplissez un défi de communauté, il y a un tirage au sort, vous gagnez des jeux, tout le monde est heureux, on s'amuse. Et c'est parfait. Et bonsoir Drem. On va faire Fort Boyard peut-être, si vous êtes sage, Chino. Alors, niveau structure de l'émission, par exemple, il y aura évidemment toujours la mage, mais qui sera peut-être un petit peu différente, hein, Gotos. J'ai de l'aide. Tu as de l'aide? Ah ouais, j'ai pas de l'aide. Pas des LED, de l'aide. Et pas n'importe quelle de l'aide. De l'aide, de la meilleure aide possible, hein, c'est la vrai. Chance. Évidemment, toujours tes célèbres recos de jeu à la fin. Oui, tout à fait. Évidemment, il y aura AFK avec Sophia et Maudie qui parcourent, que dis-je, la France, non, le monde, à la recherche des passions de créateurs et de créatrices de jeux. Évidemment, il y aura le moment le plus chaud de l'émission Caliente, avec la outtake. Tu peux utiliser Caliente, j'y vais. Les termes ibériques, bien sûr. Avec toi, Médoc, t'es partant là, t'es chaud comme la chaud, mais tu vas voir la outtake. Toi, c'est dans la continuité un peu, mais en même temps, ça change radicalement. Et évidemment, il y a avant tout ça une première partie avec Maudie. Oui. Et notre deuxième surprise, c'est notre invité du jour, celui qui ouvre le bal de cette saison. Un mec en or et pas que de la moustache. Bonsoir Maudie, bonsoir Adrien. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va formidable. Bah ouais, c'est un beau lancement de nouvelle saison. Bah ouais, ça fait à la fois très bien sur mon petit fauteuil là. Voilà. Ils sont bien ces fauteuils. Il paraît Adrien qu'ils sont super bien ces fauteuils. Ils sont très confortables et très doux. Bon, bah, vous avez mérité que je vous laisse commencer l'émission avec une première partie. On vous écoute, c'est parti pour une première partie. Et oui, on est dans un format intimiste. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout l'émission, qui la découvriraient que maintenant, eh bien sachez qu'on a 30 minutes
ensemble pour discuter environ, juste pour vous accueillir et puis rencontrer Adrien Méniel. On a quand même une chance de t'avoir aujourd'hui. Bah, c'est moi qui suis chanceux, je suis très content. Ça va être très cool. Et on a envie de parler avec toi de jeux vidéo, bizarrement, dans une émission de jeux vidéo. Bah, je sais, ça tombe hyper bien. Et ouais, d'essayer de comprendre un peu c'est quoi ton rapport aux jeux vidéo, quand est-ce que tu as commencé à jouer, ce genre de choses-là. Eh ben, moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était un peu un geek avant que le terme existe vraiment en France, en tout cas. Il avait un peu cette excitation des nouvelles technologies qui sortaient. Il avait un peu envie de mettre les mains dedans, quoi. Donc moi, j'ai eu ma première console. Alors, là, ça va trahir mon âge très très vite, mais c'était une Mattel Intellivision. Donc c'était, je pense que Mattel, comme les Barbie ou... Ouais. Incroyable. Ouais. Okay, et donc, vraiment jouer. Et en fait, c'était, il y avait la console Atari 2600. Ouais, ça je vois. Et en gros, c'était un peu le concurrent qui est resté un peu sur le côté, en gros. Qui s'est cassé la gueule. Qui s'est fait complètement bouffer par Atari. D'accord. Mais bah, moi, c'est celle-là que j'avais. Et je sais pas, j'avais 4 ans ou un truc comme ça. Quoi. Depuis, les jeux vidéo, c'est toute ma vie. Enfin, j'ai continué à jouer toute ma vie. Je veux pas dire les jeux vidéo, c'est toute ma vie, mais ça m'a accompagné toute ma vie. Ça t'accompagne. Il n'y a pas eu une période où tu jouais plus globalement. T'as toujours joué, quoi. Il y a une période où je jouais moins, mais globalement. Ouais, tu vois, j'ai pas eu la GameCube, j'étais pas dedans, tu vois, je jouais moins à cette époque-là, mais sinon, à peu près, j'ai toujours eu une ou deux consoles de chaque génération. Donc là, t'es en train de dire au chat que peut-être l'une des meilleures consoles, t'es passé à côté, quoi. Bah ouais, ils vont être énervés. C'est mon drame. Ils vont être pardon. Bon, ça arrive. Concours de circonstances. Ça arrive. Mais t'as des souvenirs de tes jeux à 4 ans? Non, c'est tes parents qui t'ont raconté ou quoi? Si, franchement, j'ai des souvenirs, ouais. Alors j'étais peut-être un peu assis, non? Je pense que j'avais 4-5 ans. Mais je me souviens qu'il y avait. Alors c'est une époque où il y avait tellement. Les jeux vidéo, c'était tellement nouveau que le jeu de tennis s'appelait tennis. Tu vois, par exemple. C'est clair. Voilà, c'est ce que t'achètes. C'est ça, le jeu de football, il s'appelait soccer. Ouais. Donc c'était vraiment, les mecs, ils n'avaient pas besoin de chercher des titres de jeu. Et non, j'ai souvenir, il y avait un jeu de boxe notamment. Je me souviens que je regardais mon frère jouer, il y avait un jeu Donjons et Dragons. Où il y avait des espèces de labyrinthes et tout. Je regardais mon frère jouer à ça. Il y a un jeu de bowling aussi. Enfin, mais c'est vraiment, c'est des graphismes. C'est même pas des pixels. C'est des pavés, quoi. Enfin, c'est énorme. Mais ouais, j'ai des souvenirs. Ça m'a marqué, quoi. Jusqu'à ce que tu te mettes à streamer, quand même. Tu vois. Là, il y a beaucoup d'années qui sont écoulées et tu streames du jeu vidéo aujourd'hui. Je t'ai pas présenté aux gens parce que là, on est. Ça me semble une évidence, mais quand même, en vrai, pas forcément. Donc, présente vite fait ton parcours, mais quand même, tu es comédien, scénariste. Ouais. T'as fait de la BD aussi. Ouais. Tu fais un podcast que tout le monde connaît. Beaucoup de gens connaissent, qui est en tout cas dans le top des podcasts en termes d'écoute, quoi. Le Floodcast. Voilà. Tu fais bien de le citer. Ouais. Et on se retrouve aujourd'hui à toi qui stream tout seul de chez toi. Ouais. Comment t'en es arrivé à tester le stream? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cet exercice-là? Eh ben, en fait, je m'y suis mis en 2020, comme beaucoup de gens, confinement, quoi. Mais en gros, moi, il y a une époque où je me disais, je pourrais jamais streamer, ça m'angoisse trop, le côté direct et tout, de devoir être toujours à l'affût, et ça m'angoissait de fou l'idée de streamer. Donc là, t'es à l'aise, là, par exemple? Là, ça va. Maintenant, c'est bon. C'est, depuis 2020, c'est OK. OK. Non, mais en plus... L'idée, en tout cas, c'est pas... De streamer moi, tu vois, d'être un peu aux commandes d'un truc et tout. Mmh. Puis, bon... Moi, je suis très, très anxieux, donc c'est toujours la pire version d'un truc qui est dans ma tête. Une fois que je le fais, je fais « Ah, c'est super !» Mais non, et en fait, il y a eu deux événements qui m'ont mené au streaming. Le premier, c'est que j'avais participé au Téléthon Gaming de Pierre Lapin. Et un des paliers, j'avais dit « Ok, si on atteint telle somme, je stream pendant une heure. » D'accord. Donc on avait atteint un truc, donc j'avais dit ok, il faut que je stream une heure à un moment donné. Et le deuxième événement, c'était que pendant le confinement, McFly et Carlito, ils avaient fait un live caritatif qui avait duré toute une journée. Et moi, j'avais participé, j'avais proposé un jeu
Et en fait, j'avais pas pu faire toutes les questions que j'avais préparées. D'accord. Parce que voilà, il fallait passer à la personne suivante. Et du coup, je m'étais dit merde, il me reste plein de questions, ouais, c'est frustrant, j'ai pas fait et tout. Et je me suis dit, mais attends, je peux essayer de les faire, genre comme ça, je fais mon heure de stream, je fais mon jeu. Et après, voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups. Et en fait, je l'ai fait et j'ai trouvé ça trop bien. Et j'ai vraiment... Tout mon confinement, c'était... je streamais tous les jours, quoi. Et, c'est-à-dire que le matin jusqu'à 17h, je faisais tous les assets de ma chaîne. Et à 17h jusqu'à 20h, à peu près, je streamais. J'ai fait ça tous les jours. Et depuis, avec des grosses périodes de pause, je stream depuis 2020, quoi. Incroyable. Du coup, t'es tombé tout de suite dans l'addiction, l'addiction stream. Il y a plein de gens qui disent ça, qu'au tout début, quand ils ont essayé, il y avait le côté un peu drainant, de frénétique presque, de faut que je me connecte, je teste des choses. Ouais. C'était. Bah, en plus, dans le contexte du confinement, tu découvres une activité qui est stimulante que tu peux faire de chez toi. C'était vraiment une bénédiction, quoi. C'est vrai. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que tu streames du jeu vidéo, quoi. Il y a plein de gens qui ont débarqué sur la plateforme, qui essayent d'autres choses. Toi, t'as vraiment un ancrage quand même jeu vidéo. Ben, je fais les deux. Ça dépend des moments, mais c'est vrai que j'aime bien les jeux vidéo. Je stream du jeu de temps en temps, quoi. Ouais. Et j'aime bien. Puis surtout, enfin. Moi, j'aime bien, disons que j'ai des goûts un peu décalés. Je joue pas forcément à des triple A et tout. Donc, puis je sais que par exemple dans le Floodcast, mes recommandations, c'est souvent des jeux indés. Il y a beaucoup de gens qui les découvrent via ça. Okay. Et donc, je me dis, si je peux en plus potentiellement faire découvrir des jeux. Parce que bon, je pense que les gens qui viennent me voir sur Twitch, c'est beaucoup des gens qui viennent du Floodcast, donc ils regardent peut-être pas forcément beaucoup de jeux vidéo. Et du coup, je me dis, si je peux faire découvrir des jeux, c'est cool, quoi. Ok, trop bien. Est-ce que ça change un peu ta pratique du jeu vidéo par rapport à quand tu en faisais tout seul ? Est-ce que ça a fait évoluer ta pratique ? Ouais, je streamerai pas n'importe quel jeu, parce que je sais que... Enfin, ça, c'est un truc... Bah, c'est comme ça depuis l'enfance, mais les jeux vidéo, il y a un côté un peu... On se ferme du monde extérieur, on se perd un peu dans un jeu. C'est plus difficile à faire quand tu es en stream et que tu dois animer et que tu sais qu'il y a des gens qui te regardent et tu vas te faire backseat et ça va t'énerver, ça va te sortir du jeu. Donc il y a certains jeux, je le ferai pas en live, quoi. Oui, effectivement, j'avoue que je joue plus à des jeux plus tranquilles en stream parce que je sais que je peux... prendre le temps aussi de parler avec les gens et tout. Et est-ce que quand toi, tu joues tout seul, des fois tu te dis, mais ça, il faut que je le garde pour le live ? Ou ça va ? T'arrives à garder ta pratique ? En fait, il y a un truc que j'ai, c'est que parfois, quand je commence un jeu en live, j'ose pas trop y jouer après. Je suis genre, bah non, parce que, genre par exemple, bon après, j'ai abandonné cette idée, mais par exemple, Baldur's Gate 3, bon, qui pour le coup n'est pas un petit jeu indé, je l'avais commencé sur Twitch. Et après, il y avait des moments où j'avais envie d'y jouer, mais je me disais, parce que je l'ai commencé. Bon, après, il y a eu vraiment un gros moment où j'ai dit, bon, allez, je laisse tomber. J'ai vraiment joué à fond pendant une semaine hors live. Mais c'est vrai que des fois, je me retiens un peu de jouer à certains jeux parce que je me dis, je vais le garder pour Twitch, quoi. Et c'est quoi ta pratique un peu dans ta vie quotidienne de jeux vidéo? Là, tu dis pas mal de jeux indés, tu les découvres comment? Ça prend quelle place dans ta vie? Ben, alors, je les découvre comment Bah, en regardant un jeu de play, par exemple. Bien sûr, mais en vrai, les algorithmes sont suffisamment bien faits pour que, par exemple, quand je suis sur TikTok, je tombe sur des recos de jeux. Je consomme pas mal de trucs qui parlent plus ou moins de jeux vidéo, donc j'ai un peu des recos à droite à gauche qui me parviennent. Je regarde des streams de gens qui jouent à des jeux et tout, donc ça me fait aussi découvrir des jeux. Et la place que ça a dans ma vie, bon, ça dépend des moments. Bon, là, par exemple, Balatro prend toute la place dans ma vie, par exemple. J'y joue le soir quand je rentre chez moi et le matin si j'ai le temps d'y jouer. Donc voilà, donc ça prend... c'est vrai que, souvent, enfin, mon temps libre, il y a souvent une part pour les jeux vidéo, quoi.
Ouais, donc c'est vraiment un loisir hyper ancré quand même. Ouais, ouais, ouais. Ok, trop bien. Bon, j'ai un petit balatro. Oui, bah oui. Ouais, que j'ai testé pour la première fois hier. Et là, maintenant, je suis bloquée avec vous. C'est super. Ouais, bon, on va faire vite. Allez. Mais ouais, je me demandais, vu que quand même, t'es quelqu'un de très créatif, est-ce que le stream, ça vient nourrir tes casquettes créatives? Est-ce que tu testes des choses en live pour des nouveaux formats ou des trucs Bah, en fait, c'est ça qui m'a trop plus dans le stream, c'est que je me suis rendu compte que plein de trucs que je faisais sur mon temps libre, mais je savais pas trop, j'avais pas un vecteur. Tu rentabilisais pas ? Ouais, voilà. Non, mais en vrai, non, mais c'est juste. Par exemple, je sais coder un peu. D'accord. Je sais faire. Je sais dessiner parce que c'était mon métier avant. Mm. Je sais faire de l'animation. Je sais et tout ça. Je me disais ouais, mais j'ai pas trop de projets dans lesquels je peux faire ça et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que le stream, c'était vraiment tous ces trucs-là, je pouvais le faire. Et ça s'inscrivait dans un projet qui était vivant, qui évoluait au gré de mes envies et tout. Et donc ça, j'étais trop content en fait, de trouver ce support-là, quoi. Donc, et puis, ouais, j'essaye toujours de... Enfin, je sais que j'ai passé des heures et des heures à mettre des nouvelles fonctionnalités sur ma chaîne pour les utiliser 4 minutes et me dire « je suis lassé c'est trop contraignant, mais j'aime bien, juste le processus de créer des nouveaux trucs, ça me plaît, quoi, donc d'avoir des petits projets comme ça de temps en temps et tout, c'est trop bien, quoi, donc, ouais. Donc ouais, ça m'a permis de, voilà, d'avoir un truc où je peux tester plein de choses, quoi. J'avoue qu'il y a un côté cool avec le stream où tu testes des choses et tout de suite, t'as le retour de ce que ça donne, c'est concrétisé tout de suite, quoi. Voilà, ouais. Ouais, y a un côté satisfaisant là-dedans. Ouais, c'est ça. Bien sûr. T'as le retour, et puis t'as le retour de toi aussi, où tu fais « Ah, c'est moins bien que ce que j'ai dans ma tête. » C'est décevant. Voilà, je supprime ça tout de suite. Oui, bien sûr. Est-ce que tu disais que tu regardais quelques streams et tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent? Est-ce que c'est ça aussi, j'imagine, t'as découvert la plateforme aussi par d'autres streamers? Ouais, moi je pense qu'au tout départ, j'ai découvert Twitch via Pierre Lapin, qui stream depuis longtemps, et je le regardais de temps en temps, il m'en parlait beaucoup et tout. Et puis, j'ai découvert comme ça. Après, je regardais pas mal Copains du Web qui ne stream plus. Ouais, bien sûr, mais il reviendra. Voilà, il est dans la vraie vie maintenant, apparemment, donc s'il te plaît, je sais pas où est la caméra, reviens faire des streams. Non, voilà, ouais, j'ai découvert comme ça, en fait, un peu, c'est rarement via la plateforme Twitch qu'on découvre des streams. Donc c'est plus... on te parle de quelqu'un, tu vas voir, sûr, et tout, et voilà. Mais maintenant, ouais, je regarde assez fréquemment Twitch. Ok. Il y a un format en tout cas qu'on te voit faire régulièrement en live, c'est du JDR. Ouais. Avec La Bonne Auberge. Ouais. Comment tu perçois l'exercice du JDR? Là, tu disais au début que ça te faisait... c'était un peu anxiogène de se dire « je vais lancer un stream et tout ça ». Donc encore plus du JDR où tu dois incarner des personnages, mais... Oui. Ouais, mais t'as pas de texte et tout ça. Ouais. Est-ce que ça te mettait la pression? Comment t'as... Non, franchement, ça allait. Bah, déjà, quand... Ouais, non, ça me stressait pas. Ça allait, en fait, je pense que ce qui me stressait le plus dans le stream, c'était vraiment que l'idée que toutes les responsabilités reposent sur moi. Et alors que là, bon, déjà, on est ah oui, tu veux dire la réelle. Ouais, puis d'animer le truc, ouais. de gérer le chat et tout, d'être dans une interaction directe avec les gens. Je me disais, ah là là, est-ce que les gens ils vont sortir des dingueries et ça va mettre mal et tout. Et en fait, La Bonne Auberge, bah, c'était un peu une extension de mon métier de comédien. Et puis moi, j'ai fait du JDR quand j'avais, je sais pas, 17, 18 ans, 20 piges un peu. Mais j'en avais pas fait depuis, donc j'étais trop content de reprendre le jeu vidéo. Et puis bah, c'était avec des potes et tout, donc non, franchement, j'étais pas angoissé, quoi, ça allait. Mais c'est trop bien, quoi, je suis trop content de faire ça. Alors là, on en est à la dernière saison de l'histoire qu'on a commencé, quoi. C'est pas la fin de La Bonne Auberge à la fin de cette saison, mais c'est la fin de l'histoire des persos qu'on incarne là, quoi. Et c'est trop chouette. Et tu dis que c'est en lien avec ton métier de comédien, mais ça a l'air quand même d'être un peu différent. C'est quoi un peu... Toi, t'es quand même
dans une interaction avec les autres où tu construis au fur et à mesure. Ouais. Oui, on est presque une écriture, ouais, oui, une ouais, impro en live et une écriture en live, quoi. Ouais, 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 c'est de l'impro permanente, quoi. Mais bah après moi, c'est, je généralement, je suis assez à l'aise avec avec l'impro. Puis il y a aussi, enfin. Comme tu disais, j'ai le floodcast où c'est un peu du truc c'est du dialogue en temps réel. Alors c'est pas, on joue pas un rôle, mais il y a un peu un côté avoir de la répartie tout le temps. Donc j'avais un petit entraînement de ce point de vue-là. Et donc oui, c'est différent de mon métier, mais c'est l'improvisation, ça arrive tout le temps ça arrive souvent sur les plateaux, et c'est un exercice dans lequel je suis plutôt à l'aise. Donc en gros, de pouvoir le faire. Plus, et puis dans un cadre un peu geekos où tu regardes tes stats et tout, et puis qui me rappelait le jeu de rôle que j'avais abandonné depuis longtemps, et de pouvoir en refaire et tout, c'est un peu comme quand j'ai découvert Twitch, quoi. Il y avait un peu un alignement des étoiles, genre ah bah trop bien, tous les trucs qui me plaisent. Ouais, ça coche les cases, ouais, bien sûr. Ouais. Ça reste que là, on a skip un peu des trucs. Comment est-ce que tu as eu envie d'incarner des rôles? Comment tu as eu envie de jouer des personnages, même avant le JDR et tout ça? Ben, en fait, donc moi, comme on a dit tout à l'heure, pendant 7 ans, j'étais illustrateur et auteur de bande dessinée. Et en fait, je pense que d'être dans ce truc de comédien, je pense que c'est un truc dont j'avais un peu envie depuis que j'étais gosse, mais... C'est un peu une envie que j'avais refoulée, parce que je pense que c'était un truc de... Je me disais que, je sais pas, c'était accessible à d'autres gens, une autre sphère dont je faisais pas partie, quoi. Donc, parce que je sais que je faisais des... Pardon, j'ai bu de l'eau gazeuse, désolé. Très mauvais choix de boisson. Voilà. Je faisais des sketchs quand j'étais petit, quand j'avais, je sais pas, 8 ans. En impro d'ailleurs, des sketchs. Parce que j'avais retrouvé des années plus tard des petits. J'avais fait des flyers pour dire hey, je fais des sketchs. Mais non. Je me suis souvenu, putain, c'est vrai que je faisais ça. On peut dire des gros mots, je sais pas. Oui, tu peux, okay. bien sûr, vas-y. Ok, vrai. Alors attention, on reprend depuis le début, je vais dire un max de gros mots. Ouais. Et je faisais des petits sketchs et tout. Moi, je sais que mon père. En plus d'être un geek, était fan des humoristes et tout. Et donc, du coup, je pense que ça me plaisait, ce côté jouer à la comédie, mais je me disais, ouais, bon c'est un rêve inaccessible, quoi. Bien sûr. Et puis, j'ai fait illustrateur et tout. Et puis, il y a la plateforme Vine qui est arrivée à une époque. Et du coup, j'étais illustrateur, je bossais à la maison, je me faisais un peu chier. J'ai commencé à faire des vines, parce que ça me faisait rire. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, Vine, c'était en gros comme TikTok, sauf que c'était des vidéos de 6 secondes maximum. C'était extrêmement court. Ouais. Voilà. Et du coup, je faisais, c'était un peu des mini sketchs de 6 secondes. Et je le faisais vraiment sans aucune ambition d'être repéré ou de percer ou quoi. C'était vraiment juste parce que ça me faisait rire. Oui, surtout personne n'imaginait d'être repéré par Vine à l'époque. À l'époque, vraiment pas. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été repéré par les gens de Golden Moustache à l'époque, donc qui était une chaîne qui faisait des sketchs humoristiques sur YouTube. Et du coup, c'est le directeur artistique de l'époque, Vladimir Rodionov, qui m'a contacté pour me dire « Est-ce que ça te plairait d'essayer de devenir, à la base, scénariste, enfin écrire des sketchs ?» Du coup, j'ai dit oui, parce que moi, je regardais Golden Moustache. C'est arrivé, incroyable. Ouais, je regardais... je suis arrivé à la deuxième saison. Et donc, j'avais regardé toute la première saison, je me disais, oh là là, ça doit être tellement incroyable de faire ça. Et puis, saison 2, il m'appelle, donc là, j'explose. et du coup, j'ai écrit des sketchs. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'à Golden Moustache, quand on écrivait un sketch, ils nous proposaient de jouer dedans, ils nous proposaient de le réaliser potentiellement et tout. Ouais, ça fait monter plein de compétences en même temps. Ouais, voilà. Et du coup, moi, qui n'étais pas du tout comédien, je me suis dit, bon, allez, j'essaye. Et puis, en fait, ça a commencé comme ça. J'ai vraiment basculé. Je suis très reconnaissant du coup envers Vladimir qui m'a en fait la confiance que j'avais pas en moi, lui l'avait. Donc c'est ça qui m'a permis de basculer, et je suis très content. Oui, et puis en plus c'est ce que tu disais, c'est quand même des milieux qui sont si t'as pas les contacts,
tu sais pas ouais. par où commencer ou tu te projettes pas dedans. Enfin, ça fait pas partie de ton univers. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu vraiment. C'est important de souligner quand on a eu de la chance parce que y a tellement de gens qui galèrent. Moi, j'ai vraiment. Mes premiers pas, c'est sur une chaîne qui était déjà ultra installée, qui faisait des millions de vues et tout. J'ai pas eu d'années de galère et d'errance et tout. J'ai été vraiment exposé. Alors, bon, t'es exposé, ça a des avantages aussi d'être exposé, très exposé tout de suite. Mais c'était une chance incroyable parce que j'ai pu montrer ce que je faisais très très vite à plein de gens. Est-ce qu'il n'y a pas eu un contraste entre ton boulot où tu es tout seul à faire des illustrations chez toi et un boulot qui est quand même ultra social? En plus de travailler avec Golden Moustache, c'est toute une équipe, vous étiez ensemble en permanence, tout ça. Ah ouais, c'était radicalement, radicalement différent, mais pour le mieux, quoi. Parce que c'est vrai que. Moi je vivais à l'époque avec mon ex qui est aussi illustratrice freelance, donc on était juste tous les deux à la maison toute la journée et tout. Et du coup je suis passé à Golden Moustache où il y a des réunions d'écriture, des tournages, des trucs où on est tout le temps ensemble. Après en plus je suis à la moitié de la saison, je suis passé directeur artistique, donc là j'étais genre juste toute la journée dans les locaux et tout. Ça fait du bien. Alors moi, j'ai besoin d'être seul aussi. J'ai un côté très solitaire. Donc, ce qui est bien, c'est comme je suis scénariste et comédien, le métier de scénariste a des aspects plus t'es à la maison. Donc, je trouve un équilibre comme ça. Mais je me rends compte que de bosser avec des gens et tout, c'est un truc qui me manquait sans que je m'en rende compte vraiment, quoi. Ouais, le côté émulation collective. D'avoir des gens, trop bien. Est-ce que tu as l'impression que quand tu streams, tu joues un rôle ou pas? Il y a un truc qui peut stresser les gens aussi là-dedans, en termes de représentation. Comment tu te comportes en live par rapport à comment tu te comportes justement avec des amis ou avec des collègues? Je sais pas. Non, j'ai pas l'impression de jouer un rôle. Après, moi aussi, j'ai le luxe et le confort qui vient du fait que c'est pas mon activité principale le stream, je le fais quand je veux, donc je me sens pas trop de contraintes, tu vois, donc je me dis pas les gens m'aiment pour ça, donc si je change ce que je dis ou quoi, ça va peut-être plus leur plaire. J'ai pas toutes ces considérations-là. Donc moi, c'est vraiment... moi, quand je... Enfin, 100% des streams que je lance, je sais pas ce que je vais faire quand je les lance quasiment, quoi. À part parfois, quand je me dis, bon, là, j'ai envie de faire tel jeu, là, je sais. Mais sinon, c'est vraiment... Je lance le truc, et après, en fonction des interactions avec les gens, le truc se construit comme ça. C'est aussi le truc qui me plaît, parce que je sais que si je dois trop préparer à l'avance, je vais jamais lancer de stream. Mais j'ai l'impression que je joue pas trop de rôle, j'arrive à être assez naturel. Comme dans le Floodcast, quoi, où c'est juste on discute et on est comme dans la vie, on n'est jamais 100% comme dans la vie, évidemment. En tout cas, j'ai aucune pression à essayer de jouer un rôle ou un truc comme ça, quoi. Trop bien. Sinon, je pensais à ça parce qu'il y a aussi le côté où, quand vous êtes en podcast, vous êtes deux, ou avec plus de gens en invité et tout ça. Mais en tout cas, voilà, il y a une espèce d'interaction qui se fait mutuellement entre vous, qui est plus difficile. Enfin, il faut pouvoir le faire avec le chat. Des fois, dans les interactions qu'on a avec le chat, on peut se limiter, se restreindre aussi, parce qu'on ne les connaît pas. C'est plus par rapport à ça, dans le rapport à la communauté en général. Ça t'a peut-être permis aussi de rencontrer ta communauté en vrai, de pouvoir discuter avec eux? Moi je trouve ça... C'est l'aspect qui me terrifiait avant de streamer, et que je trouve vachement bien maintenant, quoi. C'est-à-dire que, en plus, j'ai vraiment la chance de jamais avoir de relou, quasiment, quoi. Donc c'est trop bien, parce que, ça discute, ça fait des blagues. Et puis, comme je dis, en plus, comme les lives, ils se construisent en fonction des interactions que j'ai, c'est cool. Mais je me restreins pas dans mes réponses et tout. Même d'ailleurs, quand quelqu'un me saoule, je le dis aussi, quoi. Et je trouve que ça permet, justement, parce que ça peut être ça, éventuellement, le truc de se dire... Enfin, je vois des créateurs, que ce soit sur Twitch ou ailleurs, des fois qui... ne veulent jamais froisser leur communauté, même quand parfois la communauté se comporte pas bien.
Et je trouve que c'est important peut-être de le faire aussi, de dire bon là, calmez-vous, on dites pas ça, machin, etc. Parce que bah ça permet de, justement, je trouve, de garder un peu un rapport de sincérité, quoi. Ouais, bien sûr. Si t'es toujours à dire à mettre des œillères, genre bon ok, ça dit de la merde, mais je fais comme si j'avais rien vu. Et puis voilà, il y a un... donc non, mais je me sens pas de contrainte là, à ce niveau-là, quoi. Bah très bien, parce qu'il y a The Siska dans le chat qui dit je vais pouvoir aller faire le relou dans son chat. Ah oui, bah voilà, tu vas pouvoir le recadrer. Tu vas pouvoir être ban rapidement. Quel plaisir. Non, mais comment tu vis le rapport au public en général, puisque là maintenant quand même, ok, vous faisiez un podcast dans votre coin à la base, mais maintenant vous remplissez quand même des salles. Il y a quand même une forme de célébrité qui est énorme, alors que vous étiez en train de juste faire un truc entre potes. Donc comment est-ce que tu vis ça, ce rapport à justement avoir bâti C'est moi déguisé en singe, bien sûr. En train de chanter. je le vis bien. Je suis pas forcément quelqu'un qui est très à l'aise socialement et tout, mais en fait je le vis bien parce que, encore une fois, comme ce que je disais par rapport à Twitch, les gens, on va dire, pardon, aux gazeuses, on va dire 99% des gens qui viennent me voir sont... je vais rôter jusqu'à la fin de l'interview. Non, ils sont très sympas. Et puis, c'est aussi l'avantage de faire le floodcast, c'est que généralement, les gens... parce qu'on parle beaucoup, on parle de nous. Ouais. Donc du coup, les gens... sont même souvent dans un excès de... Les gens, ils viennent me parler, ils disent « Ouais, je sais que tu détestes parler aux gens. » Alors je dis « Non, je déteste pas parler aux gens. » Je dis juste que potentiellement, je vais pas être extrêmement à l'aise, mais j'aime bien voir les gens quand ils sont sympas, quoi. Mais du coup, les gens prennent beaucoup de pincettes pour venir me voir, ce qui me donne l'impression d'être un gars horrible. mais non, ouais... De ce point de vue-là, le rapport public et tout, il est cool parce que les gens sont vraiment sympas, quoi. J'ai cette chance-là. Après, l'aspect célébrité, il peut être angoissant sur certains aspects parce qu'il y a... Comme je disais, moi, j'aime bien... dans mon quotidien, je suis vraiment très tranquille. Je suis à la maison. Je joue aux jeux vidéo avec ma chienne qui dort à côté de moi sur le canapé. En fait, ce côté très exposé est un peu bizarre parce qu'en plus, c'est une espèce d'exposition, surtout avec Internet, où tu sais que t'es exposé, mais c'est pas tangible. Ouais, donc, il y a un peu un truc avec lequel tu vis, mais... Donc c'est un peu bizarre, mais bon, on arrive à trouver un équilibre qui fonctionne, quoi, donc ça va. Pour l'instant, ça va. Trop bien, trop bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter. Bah, on va rejoindre les autres en plateau pour la suite de l'émission. Salut tout le monde. Vous êtes en forme là, ça y est? Oui, nous on a roté tout ce qu'on avait, mais du coup on n'était pas en plateau. Vous avez tout expulsé avant, ouais, c'est bien. C'est bon, c'est tu bien. Peux venir Adrien. On est, mais c'est mieux dehors que dedans, hein, de toute ouais, manière. Bah oui, bien de sûr. Toute façon c'est évident. J'en profite pour remercier le CNES et notre Kassim pour les raids, merci beaucoup. Et sachez qu'il y a déjà eu 2 défis de communauté éclatés par la communauté, justement. Et que Justin Bredouille ainsi que Aluc gagnent des jeux. Vous faites un travail sur vos pseudos, s'il vous plaît. Parce que vraiment, comment veux-tu dire d'un air tout à fait sérieux, oui, il y a Justin Bredouille et Aluc qui ont gagné des cadeaux. Félicitations à LE, bravo. Tu as réussi à le faire. Tu as réussi à ça. Il parlait de Bredouille, voilà, merci hein, Justin. Il parlait de Bidouille sur Twitch tout à l'heure, Gotoz. Ouais. Et il me semble qu'il y a peut-être eu bisbille entre vous à ce niveau-là. Ah, bah non, il y a surtout eu la diagonale de la bidouille OBS, ouais, parce que bah, on est tous. Moi aussi, je fais partie des gens bonjour. Qui sont des Twitchers du confinement, quoi. Uh-huh. Il pas mieux uh-huh. venu sur été, Twitch avant ça. Et il y a eu du dépannage, bien ah sûr ouais. qu'il y a eu du dépannage. Bah, via Discord, je me suis fait aider. Qui a dépanné qui ah, non, mais j'ai aidé tellement de gens dans ma vie. Ah ouais, demande à l'abbé Pierre. Si c'est le nom des gens qui l'a aidé, évidemment qu'il n'y a pas de... il donne, il a un cœur grand comme ça. Non, mais on est dans un petit groupe où ça se refile des bons petits tips pour améliorer ton OBS. Et j'avais une boucle exactement... Enfin, pareil, c'était la journée, t'améliores tes scènes, tu rajoutes des trucs, tu sais jamais si tu vas vraiment les utiliser ou pas. Et le truc, c'est que moi, contrairement à beaucoup de gens dans ce groupe, je me mettais dans des merdes dont j'arrivais pas à me sortir. Donc, il me fallait l'aide des autres. On salue Copains du Web, bien sûr, aussi. Bien sûr. Cette optique. Mais ouais. Sur TikTok. Hein.
Pardon. Ben je sais, mais... En plus, tu parlais de Vine à un moment donné. Bah, TikTok, c'est la suite, frérot. Ouais, tu veux que j'aille sur TikTok, c'est ça? S'il non, te plaît, abonne-toi à Queen Apple. Voilà. Oui, pardon. Tu disais pas. Un abonné après l'autre. C'est la meilleure strat marketing. C'est comme ça que ça marche. C'est le porte-à-porte du futur, quoi. Par contre, tu t'es coupé ou ouais, non, c'était juste, voilà, ça m'a. J'entendais ces journées à base de ce soir, mon stream sera mieux. Ouais. Et ensuite, ah, mais c'était encore tout pété. Et en fait, ouais. Demain matin, je recommence exactement comme ça. Et oui, je galère encore, moi, pour couper le. Enfin, c'est vraiment la fin du. Ouais, t'as des petits soucis. Ouais, mais parce que le truc est pas clair, quoi. Arrêter le stream, arrêter l'enregistrement, tu vois, c'est jamais. Mais autrement, je m'en sors aussi. Pourquoi vous dites, ouais, c'est vrai que c'est pas clair. Arrêter le stream, non, parce que c'est pas clair. Des fois, tu lis, tu louches. Tu plantes, bon, tu es dans l'euphorie du truc. Ouais, c'est parfois ça. Parfois, vous êtes deux, puis encore hype. T'as ton toi du futur qui vient t'expliquer. Ouais, enfin, c'est compliqué après, à un moment donné. Bon, une fois qu'on arrive à arrêter nos lives, en revanche, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on suit un peu l'actualité du jeu vidéo. C'est ton cas, Adrien? Oui, totalement. Notamment grâce à ce Zozo. Ah, le Zozo. Voilà. Le Gogo. Le Zozo. Le Toto. Ah, mais oui. Le Gogo. Bon, il y aura un avant et un après ce stream. Ça va si bien pour les pseudos. Eh bien, écoute, nous, c'est notre champion, en tout cas. Voilà. Bien sûr. Grâce à lui, on sait tout ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo. Et le chat aussi, puisqu'évidemment, il est l'heure de la mise à jour de Gotoz. Mais alors, il s'est passé des choses pas jolies, jolies, il me semble. Aïe. Bah oui, mais ça, maintenant, je pourrais me le faire tatouer, celui-ci. C'était pas joli, joli. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'est quitté. On s'est quitté. J'ai quitté le jour de plein un peu plus tôt, parce que j'ai été malade deux fois de suite sur la fin de saison dernière. Ça veut dire que t'as séché. De ouf. Et pendant ce temps-là, il s'en est passé de bien belle, mais si on essayait de tout résumer, ce serait malheureusement une catastrophe, et juste le début d'année en fait suffira largement. Il se passe une nouvelle séquence dans l'actualité du jeu vidéo. Ah, j'adore dire séquence. Soudain, tu te sens Clément Viktorovitch quand tu le fais. Il y a une nouvelle séquence. Et dans cette optique, eh bien, on va parler un petit peu de l'industrie du triple A et de la manière dont maintenant les gens qui la fabriquent sont en train de nous dire attention, on se rend compte que peut-être vous aviez raison, ça risque de craquer cette histoire. Non. Et j'ai de l'aide cette fois-ci, on le disait tout à l'heure durant le sommaire, parce que l'industrie du AAA, si moi je vous la raconte, ça va prendre 20 minutes, alors que si c'est Olbius qui le fait, ça risque d'être un petit peu plus intéressant et beaucoup plus concis. Il est fort ce Olbius, il est partout. Eh ben écoute, on va découvrir, mais qu'est-ce que c'est dit donc un AAA avec Olbius? C'est parti. Si vous vous intéressez au petit monde du jeu vidéo, vous êtes forcément tombé un jour ou l'autre sur le terme AAA. Du jargon emprunté au système de notation financier du grand capital et qu'on entend aussi bien dans la bouche des gros bonnets de l'industrie que des joueurs et des joueuses. Mais au fait, c'est quoi un AAA dans le jeu vidéo? Déjà, c'est pas un acronyme. Pas de risque de confondre avec l'Association des Américains Accidentels, qui existe vraiment. Force à eux. AAA, c'est une note. La meilleure, comme dans le système scolaire américain. Concrètement, dans les boîtes de jeux vidéo, ça désigne une certaine échelle de production, et une rentabilité supposément garantie. C'est vraiment un terme de boutiquier, qui vient de la partie économique de l'industrie et qui émerge à la fin des années 90. Sa popularisation coïncide avec la 7e génération de consoles de salon, la PS3 et la Xbox 360. Et en réalité, c'est pas anodin, puisque c'est cette période qui voit l'explosion exponentielle des budgets du jeu vidéo, au point que certains colosses comme GTA ou Cyberpunk coûtent aujourd'hui plus cher à produire que les plus gros blockbusters du cinéma. Bon, je vous dis ça, mais j'avoue que, personnellement, la course à l'échalote, ça a tendance à me piquer les yeux. Dans le sillage des AAA, on s'est mis alors à parler de AA, des jeux avec un budget substantiel, mais qui ne jouent pas dans la même cour qu'Assassin's Creed, God of War ou Final Fantasy VII Rebirth, pour prendre un exemple d'actualité. Le AA est une espèce en voie de disparition, puisque le marché se polarise de plus en plus entre d'un côté ces giga-blockbusters et de l'autre, les jeux indépendants. Jeux indés, donc plus petites productions, qui eux-mêmes se polarisent entre grosses et petites productions. Pour les gros jeux indés, on parle désormais de AAA. Bon, si ça s'arrêtait là, je pourrais continuer ma vie tranquillement. Mais depuis quelques temps, on entend parler d'un genre nouveau, prêt à révolutionner l'industrie du jeu vidéo. Le quadruple A. Dès 2012, Microsoft recrutait des gens pour un Halo quadruple A.
Mais récemment, c'est surtout du côté d'un certain éditeur breton que l'utilisation du terme se répand, pour parler spécifiquement de Beyond Good and Evil 2 et de Skull and Bones. Pour résumer, on peut tout simplement retenir qu'un triple A, c'est un gros jeu. Un jeu qui coûte cher à produire, avec une grosse campagne de com, et qui doit faire rentrer des grosses pépettes dans les caisses de l'éditeur. Sur ce dernier point, je dirais qu'il y a des ratés quand même. Et malheureusement, ce sont toujours les employés qui trinquent. Et si tous ces double A, triple A, quadruple A étaient en fait le cri de détresse des développeuses et développeurs de jeux vidéo, qui s'allongent, du coup, au fil du temps. Force à eux. Trop fort, ce Oldus. J'adore le à la fin, ça me fait penser à comment s'appelle ce jeu avec le mec. Vas-y. Voilà. Oh là. Ce jeu avec le mec, vous voyez. Un jeu avec des mecs, ça écrème bien. Les gars suicidaires, ils font Ah, tu parles de Serious Sam. Bien sûr, bah voilà, j'avais dit le jeu avec le mec. Et le jeu commence donc maintenant. Bien, on est dans le quiz. Le quiz était comme un point. Un point. Donc, c'est un comptage de points classique cette fois. Non, là, t'as 10 points d'avance. Parce que t'as trouvé. Non, merci beaucoup, Olbius, effectivement, pour avoir remis en contexte un petit peu comment on s'est mis à utiliser le terme triple A, en fait, tout simplement, et comment, du coup, par extension, on a parlé de double A et ces choses-là. Bref, le jeu vidéo a très gros budget et de plus en plus gros budget. Et là, sur le début d'année, les gens qui le fabriquent et les gens qui, justement, mettent en avant son côté exclusif, donc les gens qui fabriquent des consoles, Xbox, PlayStation, etc., ont commencé l'année, avant de dire qu'il y avait un problème sur la manière dont ils fabriquaient et dosaient un peu l'ampleur des jeux, ont commencé par licencier des gens, d'abord. D'accord. Donc, bon, on a eu effectivement Microsoft qui a absorbé Activision, et puis ensuite, il y a eu une grosse passe de 1900 licenciements uniquement chez Xbox, donc dans les studios et dans les bureaux, et puis PlayStation qui a fait de même avec environ 900 personnes. Et c'est sur ce début d'année extrêmement joyeux que l'industrie est ensuite venue dire, on a regardé un petit peu, et c'est vrai que cette économie, elle n'est pas du tout pérenne, en fait. Cette histoire de faire des jeux de plus en plus chers, et puis de continuer à claquer de la thune en à côté sur des choses un peu folles, comme Microsoft qui, par exemple, dit, les jeux vont forcément, naturellement, parce qu'ils deviennent plus chers, être de plus en plus chers, mais en plus, on va les mettre dans un service d'abonnement, et vous n'aurez plus à les acheter. Et puis, de l'autre côté, PlayStation qui se dit, ah, les jeux service, ah oui, les jeunes, c'est votre truc, ça, les jeux service, on va en développer 10. Et puis, finalement, on annule déjà la moitié. Naturellement, ces choses-là, ça coûte, et ça fait que quand tu regardes les jeux que tu vends, là, on voit Spider-Man 2, 10 millions, plus de 10 millions de copies écoulées, soudain, la marge du jeu paraît un tout petit peu moins haute. Donc voilà, l'industrie a commencé à nous préparer à cette séquence, a commencé à dire on va revoir notre copie d'une manière ou d'une autre. Chez Microsoft, on a suivi ça parfois même de manière un peu indirecte, c'était difficile d'y échapper. Microsoft va-t-il arrêter les exclusivités? C'était une manière de dire au final non, mais il y a quelques jeux qu'on va aller revendre une deuxième fois chez la concurrence pour pouvoir essayer de les rentabiliser un maximum. Et puis de l'autre, PlayStation, de dire, c'est vrai que nous, on arrose déjà pas mal sur PC, on va essayer d'être plus agressif là-dessus parce que ça permet à chaque fois de relancer le jeu, de faire d'excellentes ventes. Et puis, l'ancien directeur financier de Sony est arrivé, a commencé à mettre un peu le nez dans les finances de PlayStation et a commencé à dire clairement, oulala, les développements de 5, 6, 7 ans, ça peut pas continuer. Et ça peut surtout pas continuer quand, en fait, le calendrier est tel que pendant un an, tu n'as presque rien de ce que les joueurs attendent déjà à proposer parce que ils sont tous dans leur tunnel de 5, 6, 7 ans. Quoi. Donc ça a été un petit peu l'ouverture du truc et surtout le moment où les grands du jeu vidéo ont pu commencer à poser leur langage à eux. Tu as reconnu le jeu? Ouais, c'était Kratos. Depuis tout à l'heure, tous les jeux, l'intégralité des jeux qui passent. Sirius Sam, apparemment. Sirius Sam, c'est pas mal aussi. Mais de là, en fait, il y avait une manière de dire les jeux sont devenus trop chers. Parce que quand l'industrie dit les jeux sont devenus trop chers, t'as envie de dire non. Les jeux sont devenus plus chers et tu fais n'importe quoi avec tes sous à côté. C'est des choses assez différentes. Mais non, là, c'est les jeux sont devenus trop chers. Comme une manière de dire il va falloir qu'on ajuste des choses. Est-ce que vous allez partir vers la décroissance? Non, pas trop non plus, c'est pas trop l'ambiance. On va essayer de trouver des solutions, donc qu'elles soient commerciales
ou autre pour que ben on puisse récupérer cette marge. Les Sony et PlayStation, Sony et PlayStation, Xbox et PlayStation sont des entreprises qui vont très bien. Lapsus, hein, il sait des choses. Parce que c'est vrai que quand tu commences à dire c'est pas tenable, alors que tout le monde, ça fait 5 ans que tout le monde te dit bah oui, c'est juste pas tenable, en fait, ça fait presque 10 ans, t'as l'impression qu'ils sont là, genre attention, on a attendu que le mur soit juste devant nous, le mur financier soit devant nous. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ça va très bien, mais bon, on ne va pas sortir un mème sur le capitalisme à nouveau. C'est juste que la courbe, elle est un petit peu moins en grimpette que précédemment. Donc de là, eh bien, il y a deux manières de comprendre ça. Il y a les gens qui attendaient que ça puisse commencer à dire bah oui, on va faire le fameux mème de on fait des jeux plus courts à développer, qui coûtent moins cher et qui sont plus moches. C'est pas du tout vers ça qu'on se dirige. On va probablement se diriger plus vers... c'est vrai que vous nous coûtez pas cher, parce que c'est vrai que voilà, malheureusement, les professionnels du jeu vidéo sont très souvent sous-payés par rapport à ce qu'ils apportent en termes de valeur ajoutée, mais on pourrait peut-être encore externaliser un petit peu ce que vous faites. Ça s'est déjà vu, Microsoft a l'habitude de travailler avec beaucoup d'externes qui sont des gens qui sont précarisés, ils sont pris au projet. C'est les freelances Ouais. C'est en fait, on nous a déjà habitués à une première normalité qui est, en fait, on vous embauche pour le projet. Oui, c'est ça, mais vous dégagez. Mais ça dégage, mais ça revient. Ouais. Surtout, reste en bon terme avec nous. Ouais, ouais. On n'a aucune perspective de carrière pour toi, mais sois là pour quand le prochain projet. D'accord. Toi, hein. Voilà. Budgète bien ton année avant le lancement du prochain projet. Et puis, bah, de l'autre, effectivement, on le sait aussi, ça cherche des manières, c'est pas uniquement Xbox, hein, ça cherche des manières, effectivement, d'externaliser. Mm. Là, quand PlayStation licencie, il licencie chez des gens qui sont dans de très bonnes performances. Mm. Ils ont licencié des gens qui ont travaillé sur Spider-Man 2, qui est un immense vendeur actuel. Donc c'était juste une manière de dire, voilà, la séquence, on est dans cette saison de Jour de Play et de la mage, on va être obligé de reparler de ça à un moment. Parce que ce truc qui est installé de dire, ouais, bon, là on voit que c'est plus tenable, ça va surtout servir, en fait, à justifier une nouvelle manière de communiquer. Avant, on nous avait fait justement accepter les embauches de freelance par projet, et j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de nous faire accepter que l'embauche de masse, durant le Covid, et le licenciement de masse, ça, quand on ensemble, se rend compte, ça va ensemble, mais surtout que ça peut rentrer dans une nouvelle normalité. Parce que c'est ça aussi, hein, si tu regardes un petit peu la manière dont ces deux géants-là, je mets Nintendo de côté, non pas parce que c'est des gentils, mais c'est parce qu'ils font leur propre truc de ce côté-là. Olbus en parle dans le chat de Nintendo, donc c'est bon, tu peux... Voilà, effectivement. C'est pour ça que j'en parle un petit peu moins. Mais, et puis surtout, Nintendo est un petit peu moins dans cette espèce de tentative de faire croire aux joueurs, au public, à de nouvelles formes de normalité, et à leur faire croire que finalement, tout ce qui est en train de se passer là actuellement, les milliers de licenciements qu'il y a eu juste depuis le début de l'année, en fait, c'est de la régulation. C'était prévisible. C'était, mais c'est surtout. Non, mais oui, on a dû embaucher beaucoup durant le Covid. On a fait déménager des gens à travers les États-Unis, etc. Mais il y en a trop maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? T'as un peu l'impression, j'ai l'habitude de dire, t'as un peu l'impression que les gens sont rentrés chez les RH et qu'ils se sont signés des contrats tout seuls. Ah non, tu les as embauchés. Maintenant, il faudrait que t'assumes ce truc-là. Donc, juste gaffe. Voilà, c'était une manière de dire gaffe aux communications des gros consoliers. C'est devenu une nouvelle manière de gérer la masse salariale. Exactement. Ouais, et les juniors vont finir par accepter ça, bien sûr. Voilà. Bah, la faire accepter à l'industrie. Bah, parce que là, c'est les patrons qui ont l'ascendant sur tout le reste. Donc, c'est eux qui décident. Et que tu parlais de déménagement et tout. Les gens qui ont déménagé parce que le télétravail s'installait dans toutes les boîtes, là maintenant que les patrons ont l'ascendant, ils disent non, moi je veux te voir dans mon bureau maintenant. Et ils sont en mode, bah ouais, mais maintenant j'habite à 200 km, frère. Ah oui, bah ça c'est des trucs qu'on a vu effectivement dans beaucoup de studios qui ont fait du rappel un petit peu violent dans les bureaux, etc. Mais voilà, il y a quand même une tentative, même au niveau du public, parce que tu te retrouves maintenant à faire même ton boulot, nous on fait notre boulot sur ces sujets-là, avec des gens qui disent, mais c'est normal, c'est le marché. C'est vrai que les gens acceptent ça. Sans partir sur une grande moralisation de la manière dont ça doit être fait. Non, c'était pas normal jusqu'ici, et il s'est passé quelque chose effectivement avec la crise Covid, et bon, bah, ces entreprises-là ne prennent pas forcément leur... responsabilité vis-à-vis. Est-ce que tu penses, alors c'est peut-être une question idiote, mais est-ce que tu penses qu'il y a des studios qui se sont mis à licencier, à séparer de personnes parce que ils ont vu autour que c'est, apparemment c'est le move à faire. J'ai l'impression parce que dans la tech aussi il y a eu, tout descend de la tech de manière générale, mais c'est ultra documenté, hein. Tu ne veux pas être, face à tes investisseurs, tu ne veux pas être le dernier dans la pièce qui n'a pas vu où est la crise.
D'accord. Ouais, okay. Donc elle est manufacturée en haut et après effectivement elle retombe de manière sérieuse hein, sur les strates plus basses. Bien sûr. Mais ça c'est ultra documenté qu'à un moment effectivement si tu vois toutes ces restructurations en série, il y a des difficultés, un retour des taux d'intérêt parce que pendant un temps l'argent était très facile à emprunter. Il y a des facteurs bien sûr qui sont brandis par ces gens-là, mais le capitalisme étant ce qu'il est, enfin boursier s'entend, tu veux pas être le dernier qui est là genre non, nous on a l'impression que ça monte dans le bon sens, on va voir encore un petit peu. Ouais. Parce que les investisseurs vont dire bah non, vous avez vu la tech, vous avez vu Microsoft, vous avez vu Riot, vous avez vu truc. Ouais. Donc oui, ça c'est un truc qui est documenté. Ça s'applique pas à tous les studios. On voit des studios indés qui ferment là, ils ferment pas parce que c'est la mode. Ils licencient pas parce que c'est la mode. Ils licencient parce que justement les financiers ont vu toute cette débandade et se sont dit oh là, votre projet qui s'appelle pas Hades 2, ça ira, merci. Donc oui, non, ça c'est un truc effectivement qu'on voit au-dessus de plus en plus. Merci. Pose-en plus. Merci, bravo. Gentil. Prends confiance. Putain. Ouais, je sais bien. T'as des lunettes, tu peux poser des questions. Ce qui m'amène, et c'est pas la première fois que j'utilise cette ficelle dans le jour de plaie, je tiens à m'excuser, ce qui m'amène au deuxième sujet, et ce sera un syndicat. La bagarre. Non mais voilà, c'est à partir du moment où en fait tu vois des grosses entreprises comme ça qui te disent on va essayer de retrouver une rentabilité par jeu un peu plus haute pour nos investisseurs en l'occurrence, tu te retrouves aussi avec des employés qui se disent c'est la déclaration que vous faites deux semaines ou une semaine après avoir encore licencié du monde, donc peut-être que nous on va essayer de réagir à ça. Ce qui nous amène au plus gros licenciement, oui aussi, au plus gros syndicat créé dans le jeu vidéo américain. Et c'était la semaine dernière, donc il est créé, c'est pas une tentative de le créer, c'est chez Activision et c'est 600 personnes tout de même. 600 personnes qui travaillent à la QA d'Activision, donc c'est les gens qui vont chercher nos bugs pour que nous on n'ait pas à se les taper derrière. Et se documenter depuis de très nombreuses années que si tu travailles à la QA d'Activision, la barre est au sol en termes de conditions de travail, conditions d'emploi, etc. etc. Donc ces gens-là ont dit stop. Et ils ont profité du fait que pendant que Microsoft essayait de racheter Activision, ils n'arrêtaient pas de dire nous, les syndicats, on dit oui. Oui, bah ouais. Microsoft a 20 ans de combat contre les syndicats dans le dos, mais maintenant, il faut dire oui. Ouais. Donc ils se sont engouffrés là-dedans et ils l'ont créé. Et c'est un événement quand même qui est assez important, parce que déjà, ça fait passer, mécaniquement, ça fait passer la barre symbolique des 1000 employés syndiqués dans le jeu vidéo américain, ce qui semble peu, mais ce qui est en fait symbolique et extrêmement, extrêmement fort. Ouais. Mais en plus de ça, c'est effectivement chez Activision, au sein du groupe Microsoft désormais. Juste pardon. Pardon, non, c'est 1000 syndiqués dans toute l'industrie. Non, c'est pas dans l'industrie. Okay. Non, c'est chez Microsoft, pardon. Ok, chez non, Microsoft. C'était vraiment peu. Non. Et j'allais demander. Non, c'est chez Microsoft. Merci de m'avoir attrapé. Oui, attends, tu rigoles. J'espère que c'est pas une question idiote, mais Microsoft, les ordinateurs. Microsoft. Je fais quand même le tri, mais les ordos là. PowerPoint, clip, pardon. Tout Bill ça. Gates là. Lunettes là. Je le remets. Les vaccins, la 5G, tout ouais, ça. Ouais, voilà. Grosso modo, tout ça. Yes. Voilà. Okay. Donc voilà, ils ont créé ce syndicat et c'est forcément un événement parce que ça parle directement à ce qui s'est passé durant la grosse passe de licenciement chez PlayStation. En fait, la communication de PlayStation a été très claire sur les différences de droit du travail entre les territoires et c'en est devenu un petit peu cynique, c'est-à-dire qu'ils ont pas le rappeur. J'y allais parce qu'en plus il y en a peu dans le sous-titre. Et oui, bien sûr. Non, mais on allait tomber dedans à un moment ou à un autre. C'est juste. Et en fait, au moment où Sony Interactive Entertainment officialise le fait que oui, effectivement, il y a 900 personnes qui vont devoir partir, il y a en toute fin de communiqué une petite liste à puces de 3 lignes et c'est les employés américains, c'est tout de suite. Les employés en Europe, on va se rapprocher au niveau local des autorités liées au droit du travail. Les employés japonais, on passe sur un programme de reclassement. Et donc, effectivement, là, il y a une partie de l'industrie qui a regardé le truc et a fait « Ah ouais, aux US, on est vraiment à walp complet. Sûr. On n'a rien à dire. » Mais ça, c'est dans les séries. Ouais. Dans les séries, ils partent avec leur ficus. Oui, c'est vrai. Ils partent toujours le lendemain. Et du coup, ça a vraiment créé un truc que tu peux copier-coller. Tu peux en faire le screenshot du moment où PlayStation, en fait, dit « Ah, bah, pour vous, le carton est à aller chercher à l'accueil aujourd'hui. Pour les autres, malheureusement, la loi nous empêche de faire exactement tout ce qu'on veut. » Et la seule solution dans ces cas-là, effectivement, c'est la montée du syndicalisme dans le jeu vidéo américain AAA.
Je dis ça parce que je précise triple A parce que il y a aussi beaucoup de petites structures, non pas qu'elles soient toutes, enfin toutes gentilles, toutes belles non plus, hein, mais qui maintenant de plus petites structures essaient de se monter directement avec la question syndicale en tête. Ouais. Après, est-ce que ça l'applique correctement, c'est absolument pas vérifiable. Mais le jeu vidéo triple A et les États-Unis ont un problème avec les syndicats de manière historique. Donc c'est une excellente nouvelle. Et puis on verra si c'est vraiment une excellente nouvelle. Chez Sega of America, c'était il y a quelques mois, ils ont réussi à rassembler entre plein de divisions des gens du marketing, des gens de la QA, des gens qui montent les trailers, etc. Pour faire un syndicat qui s'appelle IG. C'est en gros, c'est pour aider à rendre Sega meilleur. C'est leur tagline. Et ils sont déjà embourbés dans des négociations qui sont complètement noyautées de partout pour ne pas arriver. Donc, la création du syndicat, c'est que le début de la... C'est un très beau symbole, mais c'est que le début, en fait, du travail. On repleure un coup, là ? Ah, bah là, écoutez, oui, je nous vois là, attablés, et je me dis qu'on ne peut pas ne pas passer par là. Accablés aussi. Et accablés, effectivement. Non, je suis bah, également. Hein. Mais oui. Le poète. Il n'en rate pas une. Non, c'était... Non, mais bien sûr qu'on a envie d'en placer une dans une émission qui s'est fixée la mission d'explorer les univers imaginaires et les imaginaires du jeu vidéo, bah, pour Toriyama, évidemment. Oui. Pour Akira Toriyama, je veux dire, la personne dont l'œuvre a amené le manga jusqu'à nos rivages, très probablement, je pense qu'à un moment ou à un autre, et les gens qui fabriquent du jeu vidéo en France ou ailleurs, et les gens qui fabriquent de la BD ou qui bossent dans l'animation ou dans le dessin, etc., s'ils n'ont pas été influencés par l'œuvre du créateur de Dragon Ball et de tout le reste derrière, bien sûr. Allez, je dis Dr. Slump pour les OGs, parce que sinon je vais me faire engueuler. Je connais. Mais à côté de ça, effectivement, tu as aussi ce côté. Si tu n'as pas directement, toi, consommé du DBZ et du Dragon Ball, tu as baigné parmi les gens. Oui. La pop culture. Donc c'était... Ou tu as consommé un truc qui a été inspiré. Oui. Voilà, voilà, exactement. Bah, j'ai l'impression que c'est vraiment... Dragon Ball Z, j'ai l'impression que c'est la première œuvre qui culturellement est très ancrée dans une histoire, un mythe très asiatique, vraiment japonais, asiatique, le voyage vers l'ouest, etc. Sauf que ça a eu un succès vraiment planétaire, quoi. Alors que les autres œuvres, genre même Goldorak, Matsumoto, Astro Boy, c'était très... c'était pas spécifiquement asiatique, alors que là, le mythe est spécifiquement asiatique et il a eu un succès mondial. Oui, puis l'espèce d'immense viralité du truc, je vais pas dire qu'il y avait pas des gens qui mimaient Goldorak dans la cour de récré, mais voilà, enfin, que les gens de ma génération, ils existent bien sûr, disent qu'ils n'ont jamais essayé de taper une grosse colère devant le miroir pour voir si ça faisait des flammes. Mais évidemment, on a tous essayé de se transformer dans la douche. L'énergie entre les mains, quand j'avais des cheveux. Comment ça? Alors, dans la douche. Adrien, me semble. Hein. Adrien, tu dirais que t'as été... Quoi dans la douche? C'est ça ma question, mais sinon, il n'y a aucun problème. Mais parce que c'est un endroit où personne, a priori, ah oui, d'accord. Tu n'es pas jugé. J'aurais pu être aux toilettes. Ouais, mais là, à ce moment-là, les gens ont dit ça va, t'as mal au ventre. Ça restait bizarre, même aux toilettes. Oui, bien sûr. Non, mais tout va bien. Il y a du. En termes de consommation de l'œuvre de Toriyama autour de la table, ça se passe comment? Moi, de ouf. Moi, je décalquais les petits Sangoku avec mon cousin. On achetait les magazines Club Dorothée. Et on décalquait, puis je décalquais Sailor Moon et tout. Puis après, on disait non, Sangoku, c'est le plus fort. Non, c'est Sailor Moon la plus forte. Alors que tout le monde sait que c'est Sailor Moon. Enfin, je veux dire. Hein? Waouh. Alors, d'une, c'est moi qui m'occupe de la hot take. Donc... on dirait le début de Civil War à ce qu'il vient de se passer. C'est absolument terrible. Référence extrêmement nerd. Merci de nous avoir suivis. C'était super, Adrien. Avec plaisir. Non, mais oui, décalquer, bien sûr, dessiner tous ces personnages, évidemment. Lancer des cartes DBZ dans la cour de récré, qui était une contre-culture qui s'assume totalement. D'accord. Silence de mort. Pas la d'accord. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, quand tu entrais en possession d'un deck de cartes DBZ, tu ne l'avais pas acheté, attention, parce que si tu l'avais acheté, tu ne jetais pas les cartes. Tu avais frappé quelqu'un pour l'avoir. Par cousin ou au marché opus, ou un truc comme ça. Il y avait un deuxième truc dans la cour de récré. Il y avait les gens qui avaient appris un peu les règles, qui avaient quelques notions d'anglais, etc., qui essayaient de jouer. Et les autres, en fait, ils lançaient les cartes et c'était à celui qui lançait le plus loin possible. Ah oui, c'est un truc. Ce qui quand même raccroche
marche avec l'aspect un peu stylé hein, du. Ouais, je suis pas sûr. Non, non, si, mais je défendrais ça jusqu'à. J'irais pas jusqu'à dire que c'est stylé quand même. Non, c'est culture bug. Non, mais c'était probablement des régionalismes dont on. Peut-être. Ça doit être. L'occasion de reparler de région. Alors, attends, parce que j'essaye de poser une question depuis tout à l'heure, Adrien. Je te regarde droit dans les yeux, je t'attrape, tu ne bouges plus. Est-ce que toi, tu dirais que Toriyama t'a inspiré, puisque toi, tu disais que tu commençais dans le dessin? Ouais, et ben pas du tout. Ouais. Ciao. Super. Non, en vrai, moi, j'ai très peu. Enfin, c'est en fait, fou, j'ai parce lu. Qu'on a le même âge quasi. Enfin, ouais, mais en fait, moi, j'étais pas du tout. J'ai pas du tout regardé les dessins animés. Alors, à l'époque, on disait dessin animé. Maintenant, on dit animé. Oui. Me faites pas chier. Non, en fait, je regardais pas du tout les Ouais, pas trop quoi. Et donc, du coup, je suis vraiment passé à côté de tout ça quoi. Toi aussi, c'est tes parents qui t'interdisaient ? Pas du tout. Ah. Moi, mes parents, ils m'ont mis devant Tex Avery quand j'avais 3 ans. Ils étaient très contents que je regarde la télé. Mais j'ai un peu regardé quand même Olivier Tom, machin. Ouais. Mais je suis jamais rentré à fond dedans. Ah ouais, okay. Et donc, du coup, j'ai lu un peu les mangas Dragon Ball, les tout premiers et tout, quelques-uns. Mais voilà, j'ai pas le rapport que je vois sur les réseaux en ce moment, vraiment très je le respecte infiniment, mais c'est vrai que ça me parle pas trop. Enfin, après, comme tu dis, tu peux pas être insensible, évidemment que c'est iconique, Toriyama, et tous les tu sais que t'as été imprégné de ça forcément quoi. Bien sûr. Donc même tes potes sont pas le groupe de potes qui sont peut-être via aussi ces trucs là, etc. Il y a une esthétique, il y a tout un truc, t'es obligé que ça m'a touché forcément d'une manière ou d'une autre. Mais après pas non, moi j'ai jamais été justement, tu vois, essayer de dessiner manga et tout comme on faisait, j'ai jamais fait ça quoi. J'avais pour projet à la base, mais on était un petit peu short en termes de temps, de vous demander le travail pour moi il est terrible, il y a beaucoup tu m'aurais demandé Krilin. Oh putain, on aurait dû venir trois Krilin. Oh là, hommage. Je voulais venir en Bulma. Oh, les regrets sont ça aurait été top, juste les regrets sont immenses. Non, je voulais demander un cache vert sur le nez et on est fixe. C'est clair Allez, on le fait, allez, on fait 10 minutes de pause pour les 10 ans. Non, je voulais demander aussi s'il y avait des gens autour de la table qui s'étaient rendus coupables de ce genre de décalcomanie un peu douteuse parfois, parce qu'on n'arrivait pas à s'en sortir finalement sur les proportions. Enfin, si vous aviez ramené vos dessins d'enfance que vous aviez encore, moi j'aurais été. Ça aurait été drôle. C'est dommage, si j'avais su. Ah ouais, ça aurait été marrant. T'as ton classeur. Non, mais j'ai fait j'étais dans une école de dessin quand je suis resté un an. Oh. Et école de dessin, il dessinait des trucs très très sérieux. Et moi, je dessinais des personnages d'Olivier Tom. Ah ouais. Et c'était nul. Je dessinais. En plus, les profs d'école d'art, c'était ils magnifique. Pour ça, non, ils aimaient pas. Elle était très. Ils portaient en très haute estime les mangas. Bien sûr. Ouais, t'imagines bien. En plus, dans les années 90, enfin, c'était. Ouais. C'était pas cool. C'était japonaiserie. En fait. Non, mais attends. Ouais, moi, je crois que la première fois qu'on m'a trouvé cool, c'est grâce à Dragon Ball. Parce qu'en fait, mon cousin était à fond. Donc, c'est la première fois que j'ai tenu un manga dans mes mains, c'était Dragon Ball, quoi, grâce à mon cousin. Et il avait des figurines. Oh, et il m'en a filé. Et je me suis ramenée dans la cour avec ça. J'étais la reine. Je connaissais les noms d'aucun personnage. Lui, il me racontait les histoires. Parce que j'avais pas accès, tu vois. Donc, lui, il me racontait les histoires. Je retenais les trucs. Et après, je les re-racontais. C'était loin, les histoires. Ouais, je connais les histoires. Ça marchait de ouf. Mais, depuis, je n'ai absolument pas regardé. Et je voulais m'y mettre. Mais genre, il y a 2 mois, j'ai commencé à demander sur mon Discord. En fait. Oui, peut-être j'ai lancé un sort, bien sûr. Le Death Note. Le pseudo maudit vient de là, hein. Tu sais. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Ouais. Mais non, mais j'ai demandé sur mon Discord en mode, comment est-ce qu'on fait pour regarder Dragon Ball Z? J'aimerais bien. Et ils m'ont dit, oui, il y a des épisodes qui sont coupés pour pas avoir tous les épisodes fillers. Oui, c'est trop bien. C'est moins chiant. Bon, voilà, donc j'étais un peu dans ce bourbier-là en train de chercher. Et récemment, j'ai joué à Dragon Ball Monster. Et les monstres sont dessinés par Toriyama. Dragon Quest. J'ai dit quoi, regardé en mode qu'est-ce qu'il a dit. Je me suis dit rien de surprenant. Dragon Ball. C'est dessiné par Toriyama et la team dans les jeux vidéo. Et la team. Et la team. Et sa team. Bah il les appelait comme ça. Les monstres. J'ai pas raison la team souvent. Mais tu me permets effectivement de nous ramener un petit peu à cette photo incroyable. Tous ces gens ont commandité à un moment ou un autre un meurtre. C'est célèbre ça, je pense. Yuji Horii à droite, donc effectivement le créateur de Dragon Quest, et puis on voit Toriyama à gauche, et puis au milieu c'est Hironobu Sakaguchi qui avait emmené justement Toriyama sur Chrono Trigger, parce que pour beaucoup de gens effectivement l'autre jeu
ça a été, enfin, l'autre point d'entrée vers l'œuvre de Toriyama, ça a probablement été, je pense, Chrono Trigger, ou bien sûr Dragon Quest. Et bah, forcément, hein, les hommages se sont un peu succédés des professionnels et du jeu vidéo et de l'animé et du manga ces derniers temps. Si t'as besoin de chialer en ce moment sur ce sujet-là, si t'as besoin d'avoir vraiment ton moment de clôture où tu règles ce truc-là, waouh, les hommages n'arrêtent pas et sont tous effectivement extrêmement, extrêmement touchants. Alors, ça va effectivement parfois aller chercher sur des trucs. Là, on est sur une œuvre qui ne l'était pas, mais qui va être terminée de manière posthume. En l'occurrence, ça s'appelle la Dragon Ball Super Gallery. C'est organisé par le magazine Psycho Jump. Et en gros, depuis 2021, il propose chaque mois à un dessinateur de manga plutôt connu tout de même de redessiner une couverture de Dragon Ball. Donc, tu as là-dedans donc Obata qui a fait Death Note. Bon, là, on reconnaît Kubo qui a fait Bleach, évidemment. Bon, là, il a littéralement fait... Oui, Ichigo. Littéralement. Donc, le dessinateur de JoJo's Bizarre Adventure en a fait une également. Et puis, bien sûr, Kishimoto. Kishimoto, donc le papa de Naruto, qui reprenait la 11e. Et justement, bah, lui s'est exprimé justement... C'est l'un de ces mangaka qui a eu l'occasion avec Oda de devenir ami. Si on peut considérer un type qui t'a fait entrer dans ta passion, enfin dans ton métier, parce que tu regardais ce qu'il faisait quand t'étais enfant, t'espères qu'il va un jour t'appeler ami. Mmh. Et Kishimoto en parlait comme ça, en fait, il disait, voilà, il parle d'un trou béant dans le cœur, mais il dit surtout, voilà, c'était un arbre qui a permis au manga d'aller extrêmement loin, etc. Mais plus tu t'approchais de l'arbre, c'est-à-dire plus tu t'approchais de cette industrie, plus t'étais potentiellement connu dans cette industrie, plus l'arbre te paraissait grand, et plus tu flippais peut-être... de rester un peu dans l'ombre de ce truc-là. Et il parle avec beaucoup, beaucoup c'est de... C'est beau, c'est poétique. Ce truc-là, tu le lis, t'es là genre... quand même. Et puis, il parle aussi voilà, du moment où il l'a appelé par son prénom et du moment où il l'a appelé un ami comme étant un truc qui a vraiment, quelque part, changé sa vie aussi. Quoi. Wow. Et donc, cette série d'œuvres que sont les Dragon Ball Super Gallery, ça va continuer jusqu'à novembre 2024. Et évidemment, ce que tout le monde attend, et c'est pas encore arrivé, c'est l'hommage par Eiichiro Oda, le créateur de One Piece. Donc ça va être un truc que les gens vont suivre. Moi, je connaissais pas du tout l'existence de ce programme-là, déjà parce que j'y connais rien en manga, mais j'ai adoré vraiment éplucher, regarder les manières dont ils sont venus chercher les différentes couves qui ont quand même un certain temps maintenant, et de regarder parfois certaines et de se dire, bien essayé, mais non. Non. Celle des années 80, elle l'emporte encore quelque part dans mon cœur, etc. Elle a ce truc qui est inimitable, notamment dans le mouvement des véhicules, la forme des véhicules. Ouais, c'est toujours un truc qui m'a toujours explosé dans son œuvre. Donc voilà, si vous avez envie de chialer, il y a moyen de faire actuellement. Pas trop de problèmes à ce niveau-là, moi, non. Merci de pas en rajouter. À titre personnel, moi, ça m'a vu que je suis plutôt du genre, on pourrait me qualifier gros charognard. Hein, je vais ouvrir mon premier Dragon Ball là bientôt. J'ai jamais lu Dragon Ball de ma vie. Je fais partie de ces gens qui sont là, c'était peut-être intéressant ce truc-là. Quand le mec vient de la honte, donc ça y est, je vais me lancer dans Dragon Ball. Et vous, vous pouvez faire un truc peut-être qui sera intéressant et intéressant pour l'industrie du jeu vidéo. Récemment, on a un jeu français qui clairement n'aurait pas pu exister dans sa forme là sans l'existence et l'arrivée du manga via Dragon Ball chez nous. C'est le dernier Prince of Persia, The Lost Crown, qui est vraiment un shonen déguisé, un neketsu déguisé. Alors bien sûr, il faut être d'accord de donner un peu d'argent à Yves Guillemot, qui est le dernier gars au monde qui dit encore quadruple A. Certes. Mais à côté de ça, effectivement, c'est un jeu très recommandable et c'est vraiment un animé, un animé déguisé, quoi. Ah, génial. Alors qu'on parle d'animé et de Akira Toriyama, il y a Ditz qui nous raide. Merci Ditz, qui vient de son club lecture. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des mangas, mais je l'espère. En attendant, vous qui venez de finir un club lecture, on va vous proposer quelques trailers. Quelques découvertes de jeux, grand plaisir. C'est pas le 300% indé, c'est le 400% indé. C'est toujours plus... C'est la croissance. Nous, on produit de plus en plus. Ça s'arrête, vous connaissez un peu le truc. Et on va commencer effectivement avec l'annonce récente de Abyss Cross Zero.
qui est le nouveau jeu des développeuses du Metroidvania qui s'appelait Unsighted. Je ne sais pas si vous avez suivi ce jeu il y a un ou deux ans, donc rassemblé sous la bannière d'un studio. C'est la moto de qui? Je pourrais la conduire. C'est la moto de... Ouais. Oh, peut-être que c'est sa moto à lui. Et en l'occurrence, c'est le studio Pixel Punk, donc, c'est annoncé cette fois-ci comme un Metroidvania en 3D, avec pas mal d'influences diverses, on le voit dans la bande-annonce, donc des espèces d'immenses boss qu'on va escalader façon Shadow of the Colossus, des donjons puzzle qui pensent un petit peu à Zelda, la moto de Kaneda, on l'a vu, et puis deux héroïnes jouables, et ça je trouve que c'est hyper intéressant en termes scénaristiques, elles sont jouables toutes les deux et on alterne, mais elles sont vouées, via le scénario du jeu, à s'affronter à la fin. Oh. Et c'est tu bien. Sais, quand tu as joué à Unsighted, que ces développeuses ont aussi un goût pour les histoires déchirantes où tu finis par vraiment regretter certaines choses que tu vas faire. Donc très intéressant effectivement Abyss Cross Zero qui arrive dans les mois à venir, si je dis pas de bêtises. Peut-être que c'est un peu plus loin que ça, mais ça a été annoncé tout récemment. On dirait la meuf de Kill la Kill. Oui, il y avait un petit peu de ça effectivement, ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Et puis le prochain que je voulais vous amener, c'est What the Car. Alors il y a des gens qui le connaissent, par exemple, c'est les gens qui jouent déjà sur Apple Arcade. Oh là là, ça fait partie de ça. Ça c'est le genre de truc. Est-ce que c'est ce jeu... un peu là, putain. Ah merde, enfin quoi. Voilà, arrête de nous faire chialer. Est-ce que c'est ce jeu où t'as un mode où t'es tout le temps en train de tourner? C'est bon ou pour pas moi. Elle tourne, elle pivote. En gros, la série des What 2 est assez simple. Tout ah, ce c'est comme est... What the Golf tout, ouais, okay. C'est le mot qui est derrière What 2, c'est tu crois que c'est ça, mais en fait c'est pas ça. Donc il y avait What the Golf où à chaque fois que tu tapais la balle, quand tu touchais la balle, nouveau principe de jeu. Il y a un truc, oui. Il y avait What the Bat avec une batte de baseball en réalité virtuelle où à chaque fois effectivement que tu mettais un coup de batte, il se passait quelque chose et tu te disais voilà. Et du coup, on se retrouve bien sûr. Avec une voiture, requin, une voiture. Je n'ai rien vu qui ne me plaît pas là pour l'instant. Une voiture entièrement faite de roues de vélo. Mais c'est génial. Elle fait du vélo là. La voiture faisait du vélo. Elle faisait du snow, du vélo. C'est génial. Et donc, sur la chaîne. Et donc, effectivement, What the Car était déjà disponible sur Apple Arcade. Et là, il arrive sur PC dans quelques. Normalement, l'exclusivité est d'un an, donc il devrait arriver en mai. C'est rarement des jeux très longs, mais c'est tout... la manière dont ils arrivent à renouveler l'humour est très très forte. Et ça, est-ce que j'en parle? Est-ce que je dis juste le titre parce que j'ai cru comprendre qu'on avait un aficionado autour de la table. Aficionado. Ah, Summer House. Bien d'heure. T'as joué ce matin? J'ai joué en live avant-hier, je crois, et j'y ai joué ce matin en prenant mon café. En fait, c'est un jeu. Certains diraient est-ce que c'est vraiment un jeu? Est-ce que c'est pas plutôt un jouet? Arrêtez. Arrêtez avec ça. Taisez-vous. Laissez-nous nous amuser sans mettre des termes. Non, mais c'est parce que c'est vraiment du pur. Dis-moi le cosmétique. Sandbox, pardon. Sandbox, oui, pardon. Bah, ouais, voilà. Ou pardon. Tu gagnes pas de pardon, tu perds pas. Tout bon. non, et il n'y a pas de but, quoi. C'est vraiment à part passer un agréable moment. Yes. Qui est finalement un but, moi, dans ma vie. Donc, très bien. On dirait les pixels un peu Kingdom, je trouve, avec le reflet dans l'eau. Il y a un peu de ça, ouais, c'est vrai. C'est très, très beau. Et vraiment, le principe, c'est juste assembler des éléments pour fabriquer la maison de campagne qu'on n'a pas les moyens de se payer dans la vraie vie. Ouais. C'est comme ça que je l'ai pris. Et franchement, ça comble un vide. Et et c'est très chouette. On débloque, il y a quand même un peu, il y a du jeu parce que tu débloques en faisant les bonnes combinaisons. D'éléments, tu débloques d'autres éléments que tu vas pouvoir mettre dans tes futures constructions. Et voilà, c'est hyper beau, c'est très calme, c'est très sympa, c'est vraiment jouer à la maison de poupée, mais en tant qu'adulte. Et c'est très chouette, c'est très beau, c'est relaxant, ça coûte très peu. C'est 4 euros, je crois. Ouais. Il me semble. Ah ouais, ok. Je crois. Hein. Ouais, mais j'espère qu'il arrive, que j'ai pas dit une dinguerie. Le menteur. Mais non, c'est très, très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Très bucolique. Summer House, donc effectivement. Putain, moi, ça fait longtemps que je veux m'y coller en plus. Donc, j'ai pas pu essayer. Même durant les. Il était passé dans les trucs de démo, dans les NeoFest. Oui, mais il me semble, hein, ouais. J'avais complètement raté, malheureusement. Ça romantise la multipropriété. Tu parlais du côté pixel, et c'est marrant parce qu'en fait, dans les options, tu peux désactiver la pixelisation, et du coup, c'est moche. Non, mais en fait ils ont vraiment modélisé genre avec des textures et tout, et après t'as juste un fil par dessus qui donne l'aspect pixel, et du coup quand tu désactives tu fais ah bah c'est, je remets, ouais, c'est marrant, ouais. Je remets, ça va bien, merci. Et oui, effectivement, il y en a un qui est apparu, un petit dernier, c'est le dernier 100%. J'ai tout fait rater. Non, hop. Ouais. C'est ouais, j'ai merdé. Bon, okay, on reviendra jamais. Ta plaque, ton pistolet. Le grain de sable. Ton insigne. En l'occurrence, Unicorn Overlord. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, on voulait un peu en placer une parce qu'il y a des gens qui tombent actuellement dans le jeu. Et deux personnes qui participent à la fabrication des épisodes de Jour de Play sont dans la sauce. Là. Ouais, malheureusement, Unicorn Overlord. Bah, il y a des petits bonhommes.
Donc déjà, bon, ben voilà. Et ensuite, ils font la guerre avec les petites armées. C'est la bagarre. Et ouais. Puis tu dis, il y a des affinités. Alors tu dis, tu veux manger avec qui aujourd'hui? Et ça mange des omelettes ou des trucs comme ça. Et ça augmente les... Mais il y a la guerre. Mais il y a la guerre quand même. Ça va. Et pas des petites baraques. Oui, non, non. Surtout, Vanillaware, voilà, matelas 2D. Matt les sprites en fait. Ouais, 2D, 3D. C'est ça. C'est beau, c'est beau. Ouais, donc c'est. J'ai envie d'y jouer là maintenant. Non, on va pas pouvoir faire ça. Ah, t'y as pas joué, je crois. Si, si, si. Ok, oui, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de PC. Ok, non, je comprends. On est deux à vouloir rentrer chez nous pour jouer en fait. C'est mon élan. J'ai vraiment l'impression de vous déranger en fait. Pardon. Mais non, reste. On va vite rentrer. Petite vibe Fire Emblem du coup. Ouais. De ouf, de ouf. Complètement, complètement. Avec un hippogriffe. C'est quoi ça? Bon, pas très indé en revanche. Hein. Non, là, allô, non. Allô, c'est vrai. Allô, je suis un quintuple A peut-être, je sais pas. Il y en a qui diraient. Ah, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Merci, hein, merci Gotoz pour tous ces jeux qui nous donnent envie de rentrer chez nous et d'abandonner cette. C'est faux. On va se sur les gens à qui on avait promis qu'avec l'intervention d'Olbius ce soit plus court. Merci d'avoir espéré. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission, malheureusement. Du coup, ouais, What the Car pour toi si tu devais choisir un jeu parmi tout ce qu'on a vu. What the Car, ça m'a. What the Car, il est bien con. Ouais. Déjà juste les petites jambes là, c'était ok pour moi. Quand il faisait du cheval à bascule, c'était l'élément. Tu m'as convaincu. Tout m'a. Je suis monté en hype à chaque seconde. Eh ben écoute, je veux bien. What the Car, effectivement, qui peut-être nous permettra, comme Maudit, d'aller à Metz. Oui, puisqu'on va découvrir que tu as voyagé pour Jour de Plaie, c'est incroyable. Ouais. C'est la deuxième fois qu'on part en province pour AFK, on a fait Lyon. Ah, vous avez fait Lyon. On a fait Lyon et maintenant on était à Metz. C'est incroyable. Et vous auriez pu me demander, je vous aurais trouvé un fixeur, hein, franchement. Non mais écoute, ça s'est super bien passé, c'était super. Bah, on était avec Thomas. Je veux bien d'abord faire... Ah pardon. Hey pardon. C'est maintenant que commence AFK. Tu m'as lancé aussi, tu m'as lancé. C'est une question, on peut pas me parler. Mais c'était smooth, c'était en mode vas-y, tease-nous un petit peu, là, après je lance ultra mon truc. Le terme, c'est smooth. Moi j'étais partie. Mais t'as alors, fait un je vois où tu veux revenir. Et là, bam, non, tu pars tout seul. Non, bah, bien sûr. On parlait de ça peut-être après. Oui, vous nous prenez en Non, mais il y a une super ambiance sinon. On a rencontré Thomas. Avec Sophia, Thomas qui... Bien sûr, mais moi je ne me risque pas à prononcer son nom. Tu vois, je lui ai demandé tout ce qui est l'Est de la France. Je lui ai demandé. Je ne tente pas. Moi, t'as bien raison. Non, mais Thomas qui bosse dans un studio indé du coup du Grand Est, situé à Metz. Voilà, et c'était incroyable. On a été dans son univers, donc on est vraiment rentré chez lui pour voir un petit peu ses loisirs. C'est la première fois que vous êtes chez quelqu'un. C'est la deuxième fois qu'on a fait Rose. Ah oui, il y a Rose. On a fait Rose. Et là, c'est la deuxième fois qu'on fait ça. Et voilà, c'est un format un peu... Vous allez voir, la formule a un peu évolué. C'est plus intimiste. Il y a plus de moments partagés, de moments de vie. Mais j'espère que ça vous plaira. Et c'est maintenant. Et qu'on le veuille ou non, on met une partie de nous-mêmes dedans. Par exemple, que ce soit Neurovoider ou Scourgebringer, on ne dirait pas comme ça, mais c'est des jeux qui sont un petit peu centrés sur nos anxiétés écologiques. Et on a plusieurs types de valeurs aussi dans le studio. On fait des choix du type on fera jamais de jeu avec un protagoniste masculin, par exemple, parce qu'on considère qu'il y a suffisamment de représentations et qu'on n'a peut-être pas suffisamment exploité d'autres représentations qui peuvent être vachement cool. L'aspect de pourquoi faire des jeux vidéo, donc nous c'est vraiment purement parce qu'on a envie de divertir les gens. De se dire que ben si quelqu'un passe une mauvaise journée et que grâce à un de nos jeux, ça peut être un moment agréable dans une journée quelle qu'il soit, on se dit que ben nous on a gagné quoi. Mais ouais, ça c'est le petit coin où j'ai passé quasi un an de ma vie en confinement à faire un jeu. Ok, ah oui, tu bossais là du coup. Ouais. Je suis Thomas Altenburger et je suis le gérant d'une petite entreprise du jeu vidéo. On n'est pas beaucoup dans le studio, donc je fais plein de trucs. Je fais la gérance, je fais la communication, le marketing, le biz dev. À la base, j'ai un profil plus technique et plus ergonome. Je vais me dégueulasser les mains, toujours un peu d'huile d'olive
pas que ça colle. Je pense être une personne qui n'a pas de fibre créatrice. Ça sent grave bon. Ça sent la levure, en fait. Enfin, c'est-à-dire, je sais pas dessiner, quand je fais que des stickman, je ne sais pas faire de musique. Toutes les fois où j'ai essayé, c'était vraiment assez frustrant. Bêtement, je me suis dit, j'ai envie de maîtriser quelque chose artisanalement. Comment tu doses la quantité de sauce que tu fais au pif? Ouais, vraiment au pif. Tu colores la pâte. Ouais. Je suis beaucoup admiratif des gens qui font du travail de leurs mains. On remet un peu d'huile d'olive sur le basilic pour pas qu'il crame trop. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire de la pizza et à devenir un avatar de la pizza, entre guillemets. Franchement, elle est trop belle. T'as déjà gagné l'étape 1 Instagram, quoi. Bravo. Stylé de ouf. Et c'est vraiment une forme d'admiration et de respect pour le travail manuel. Parce que à la fois, j'aime bien le rapport qu'il y a aux objets créés. C'est une BD écrite sur un ruban de 20 mètres. What? Il y a toute une histoire qui vient avec l'objet. C'est, quand on en parle, c'est un petit peu le truc. Alors ça vient de là, ça a été fait par ça, etc. Et je pense que j'aime bien aussi un petit peu cette notion de partage de justement du travail des autres. Bulge Magazine, qui est une compilation d'illustrations de gros paquets, en fait. Quoi? C'est peut-être pour ça que je m'y retrouve un peu dans la cuisine et d'essayer de faire de la pizza pour des gens, etc. T'inquiète. Après, tu l'as posée? Après, tu la poses à côté. Ouais. Et c'est là que t'as appuyé. Là, tu la formes un peu en rond. Ok. Comme ça. Ouais. Je pense pas que ça soit ce qui m'attire, ça soit l'art de la table à la française, mais c'est plus en fait le fait d'avoir une connexion avec les gens, un petit peu la vie de quartier, de se dire on fait des trucs ensemble et au final ben c'est un tissu local, ça reste des connexions à des gens. Ouais. Elle a une forme immonde. J'en ai fait des pires. Oh, elle a une forme... Elle a pas envie d'être là, quoi. Dans le travail, il y a beaucoup d'attention par rapport à ça. Donc, intégrer beaucoup les joueurs-joueuses, voir si possible en environnement comment les personnes réagissent au jeu. Ça touche aussi un petit peu à l'ergonomie, dans le sens ben, faire en sorte que les gens ne s'énervent pas devant quelque chose, voir comment on peut gérer l'attente des personnes et rendre ça à la fois agréable et satisfaisant. Puis on fait les jeux pour eux, et donc on ne peut pas faire quelque chose qui n'intègre pas, c'est forcément social. Même en termes de communication, de construire une communauté, interagir, c'est quelque chose qui m'attire toujours. Et ce qui est rigolo avec ça, c'est que par la suite, il y a des gens qui m'ont dit « mais en fait, tu fais des jeux, même si ta participation elle est parfois plus ou moins intangible, tu restes quelqu'un de créatif ». Et j'avais besoin d'entendre ça aussi. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le jeu vidéo. C'est vrai qu'il y a une forme de fatigue qui se met en place. Et à chaque fois qu'on sort un jeu vidéo, c'est très éprouvant. Au fur et à mesure, on se pose vraiment la question de se dire « est-ce que mon corps va tenir jusqu'à la retraite ?» Je peux dire que j'ai vécu au moins une dépression dans ma vie qui soit liée à une période dans le jeu vidéo. On essaie de se créer un contexte qui soit un petit peu plus propice à continuer dans le temps. Nous, on a littéralement banni les heures sup. On essaie de prioriser avant tout les personnes avant de prioriser les jeux. Si maintenant, on se retrouve dans une situation critique, on va dire, tant pis, on retarde le jeu ou alors on se met, entre guillemets, commercialement dans la merde. Mais on préfère que les gens ne se mettent pas dans un stress pas possible pour un jeu. Merci Sophia, merci Maudit, c'était ultra doux, punaise, ça a donné un peu faim. C'est Thomas qui est doux, c'est oui, pas nous. C'est vrai, c'est Thomas. Lui la douceur. Ouais. C'est vrai que toi, pas trop. Non. Mais Thomas, oui. Super, très bien accueilli ici. Alors par contre, j'ai vu des gens mal parler de la pizza à l'ananas, on va se calmer tout de suite, étant voilà. Donné que c'est la meilleure. Non, c'est ultra clivant. Ensuite, et là, Yann. Le silence sur le plateau. Non, on se fait ça. Je suis désolé, Adrien. Non, mais moi, chacun fait sa vie. J'ai pas de. La dalle tout que le monde. Ça donne, cette. Non, non, je vais manger maintenant, s'il n'y a plus aucun respect, quoi. Alors, comment ça s'est passé le tournage, du coup, aller à Metz et tout Écoute, tranquille. Non, la ville est super belle. La ville est belle. La ville est super belle. Et j'étais trop contente de pouvoir passer du temps là-bas. Ouais. Et de passer du temps avec Thomas, parce qu'à chaque fois, je le croise en événement, oui. Justement, jeux vidéo.
On s'est croisés à la Donne. Ouais. Rennes. Rennes, Austin, en parallèle du Slamfest, exactement. Donc en fait, on se voit toujours en événement, mais là, c'était l'occasion de pouvoir parler un peu plus. Et il est vraiment, vraiment trop gentil. Et puis ses jeux sont. Les jeux de son équipe sont incroyables. Ouais. Il t'a fait tester des jeux ou pas? Parce qu'il en parle un moment du fait qu'il teste ses jeux et qu'il veut voir les réactions en direct. Non, là, il m'a pas fait tester. On s'est pas risqué à ça. Déjà, on a fait une partie de Magic et il m'a dit bon, on fait quelques plans et tout. J'ai dit non, tu m'apprends les règles en fait, qu'est-ce que tu fais? Et hop, t'as cru. T'as dit à fond. Mais ouais. Parce que je me souviens qu'à la Donne, justement, et il était allé voir Marwan pour lui faire tester un de ses jeux totalement inédit. Moi, j'étais là, je savais même pas qu'il le connaissait. Quoi. Chance. Je pensais qu'il allait venir me voir. Moi, je disais, ah, Thomas Et en fait, c'était un jeu de bagarre. Et, et il voulait voir la réaction de Marwan précisément. Yes, je suis là, ok. La bagarre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'il dit au début de la vidéo, c'est qu'il veut divertir en restant soi-même. C'est ça, là c'est gagné. Est-ce que quand t'arrives à faire ça, est-ce que c'est quelque chose que tu valides, Adrien? Et là tu dis pas du tout et tu détruis le. Pardon. J'étais pas dedans. Je suis désolée, mes yeux ont divagué. Non, oui, pardon. Il dit divertir en restant soi-même, c'est là, une fois que je divertis quelqu'un en restant moi-même, c'est bon, j'ai gagné. C'est mon but, quoi. Bah, moi je pense que c'est un peu en tout cas, ce vers quoi devrait tendre tout artiste, c'est un peu le Graal, c'est. Être 100% sincère, ouais. Et pour autant rester divertissant fédéré, que les gens puissent se reconnaître dans ce qu'on fait et tout. Donc c'est un peu c'est le but ultime, je pense, quand t'es artiste, quoi, ou quand tu crées, en tout cas. Ouais. C'est de dire en fait tu sens qu'il y a un truc qui cloche, s'il y a un manque de sincérité dans ce que tu fais, quoi. Donc je pense que Oui, je me reconnais là-dedans. Waouh, en moi, je suis un livre ouvert, en fait. Et alors, il dit à un moment qu'il se sentait vachement illégitime aussi, parce que lui, il dessine, il fait des bonshommes bâtons. Enfin, il se sentait pas créatif parce qu'il ne savait pas faire peut-être que ce qui correspond plus aux arts légitimes, tu vois, genre le dessin, la musique, le nom. Est-ce que toi, tu te savais dessiner, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir aussi au niveau créatif, de te dire, en fait, ce que je fais, c'est peut-être plus pop et moins... je suis pas vraiment... je te pose des questions. Est-ce que tu souffres dans la vie, Adrien? Non, en vrai, moi, j'ai pas... T'as eu un César, mec, en fait. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Ça te fait quoi d'être une merde? Ouais. Merci d'être venu. Non, moi, j'ai... Enfin, de toute façon, là, tu parles de... Il fait des bons hommes bâtons. Moi, je trouve que la partie technique dans l'art, c'est la partie la moins intéressante et sur laquelle on devrait le moins complexer. Parce qu'en vrai, le public, c'est rarement ça qui le touche, quoi. Oui. J'ai l'impression. Et après, sur des questions de hiérarchie, de ça c'est pop, ça c'est plus, sophistiqué ou académique et tout. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus noble que de faire un truc grand public. Ouais. Qui touche un maximum de gens et c'est pas parce que tu fais un truc grand public que c'est forcément tu vois, moi je prends une œuvre comme Les Simpsons par exemple, qui est un truc hyper grand public et en même temps qui est hyper pointu sur l'humour et tout, des trucs comme ça, moi je trouve que c'est en termes de création, c'est incroyable, quoi. Donc en fait, évidemment les complexes qu'on a, le syndrome de l'imposteur et tout, on les contrôle pas, on en a tous. Mais il faut pas. Tu as un syndrome de l'imposteur? Mais... Arrête. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais il y a pas de. Idéalement, il faudrait s'en débarrasser. On se sent illégitime, mais c'est des constructions un peu, quoi. C'est un peu on porte un peu le fardeau du regard que les autres portent sur tel ou tel truc, quoi. Ou que soi-même. C'est beau, que... ça. C'est vrai, en fait. Mais... T'as vu la bête de phrase? Non, ceci dit, la capsule. M'a touché à plus d'un titre, déjà parce que c'est l'un des rares studios de jeux vidéo de chez moi qui tiennent sur la distance. Pour quelqu'un qui a rapidement regardé, on va dire, l'économie du Grand Est et son état et qui s'est dit « bon, je vais me casser », la démarche de Thomas est totalement inverse. Ça, on n'a pas pu tout garder dans la capsule, mais pour lui, c'est hyper important de faire le choix de rester à Metz et de faire le choix d'avoir un ancrage local et de faire vivre en fait
une communauté, un groupe. À Metz, les gens le reconnaissent. On va dans un bar, on marche dans la rue. Si j'ai passé une soirée. Ouais, bravo. On a passé une soirée ensemble avant le tournage, vu que j'étais là en avance. Et vraiment, tu te balades, tu vois qu'il a ses habitudes. Enfin, tu vois vraiment quelqu'un qui est ancré depuis des années dans ce paysage-là, quoi. Ouais, c'est beau, une figure locale. Il est accueilli comme le Messi. Ouais. Évidemment, l'homme aux pizzas et aux jeux vidéo. Messi. Oh, pardon, le Messi. Il a gagné le retour. Messi. Il existe d'autres studios dans le Grand Est, attention, hein, parce que je. Bien sûr, voilà, bien sûr, mais lui, c'est bon, lui disait effectivement, si t'as envie de faire une carrière, faut partir à Paris. Enfin, c'est, oui, c'est le move que font la plupart des gens. Effectivement, parce que ça fait pas partie non plus à la base d'un de ces pôles où tu as énormément. T'es pas autour de Nantes où il y a énormément un tissu de dev très 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 développé avec des associations de dev, etc. C'est pas non plus Montpellier, c'est pas non plus tout ça. Effectivement, c'est à toi de faire vivre ces trucs-là. Disons que là, ils sont en train de le faire. Il y a des assos, mais c'est en train d'être commencé. La messe est dite. Oh. Mais il est excellent, ce gars. Mais moi, je comprends pas. Chez ce garçon. Ce gars-là, il est juste... Incroyable. C'est un tueur. C'est un tueur. J'ai eu un peu de temps pour... Arrête. Oh, tu rends... Non, mais c'est ouf. j'ai pas... Non, j'en ai plus. J'ai essayé de trouver un dernier jeu de mots, mais non, non, ce sera c'est toi. Difficile de passer. Ouais, après, ça va devenir la kermesse. En tout cas, c'était génial. C'est pas pour casser l'ambiance, des blagues, mais c'était génial. Ah putain, tu sais que j'attendais vraiment un jeu de mots derrière. C'était génial. Les compliments, Ferry, allez, vas-y. Non, c'est un compliment. Non, c'était top, c'était très top. Oui, c'était trop bien, ça fait trop plaisir. Et je crois que le chat est d'accord de voir à nouveau AFK par Sophia et toi, vraiment... Ouais. Toujours au top, bravo, bravo à vous. Ça nous a fait dire de bien belles choses autour de ces pizzas, mais il est temps pour nous de réfléchir un peu à notre relation aux jeux vidéo. Wow. Et ça, on va le faire grâce, tu vois, il y a une tête pensante autour de ce plateau. Ouais. Et c'est Médoc, évidemment. Oui. Bah ouais. J'étais pas prêt. Je regardais Kotos, mais... Non, c'est vrai, t'as raison. Non, oui, c'est vrai. Je vois pas pourquoi. On va donc découvrir la hot tech de Médoc. Allez. Qui commence maintenant. Vas-y, envoie le truc, je dois me préparer. Il y a une préparation. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se passe des choses. Ah oui, il prépare... c'est une nouvelle saison, on met les moyens. Oh là là là. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Attends, tout va très bien se passer. Vas-y. Attention. Ouais. Ça va, Médoc. Le décor. Au top. C'est bon. Tout a été répondu. Ouais. Le laisse pas mourir. Hot take. Voilà. Ouais. Vas-y. Il n'y a rien de mieux que le jeu. C'est là. C'est là. Yes. Yes. C'est moi. Elle est mortelle. Me touche pas. Hot take. Me touche pas. Ouais. Il n'y a rien de mieux que le jeu vidéo. Ah yes. Comprenez. Je vais retirer ça. T'es sûr? Ouais. Vous avez des post-it, mais c'est une idée de construire. Je peux pas les lire. C'est pas rétroéclairé, c'était très con. Il y a rien de mieux que le jeu vidéo. Comprenez, il n'y a pas une activité qui est meilleure que celle de la pratique du jeu vidéo. On pourrait faire un tour de table rapide, on va pas le faire, mais on pourrait faire un tour de table rapide ici, mais même un tour de table même chez vous, Twitch. Il faudrait une énorme table, évidemment, mais il faudrait une énorme table, littéralement. Ouais, beaucoup. Mais on pourrait faire un tour de table, on tomberait d'accord. Il n'y a rien de mieux que le jeu vidéo. Il n'y a rien de mieux que le jeu vidéo. Il y a quoi ? Il y a quoi de mieux que le jeu ? Lire un livre, c'est mieux que jouer au jeu vidéo ? Nul. Le Sapio, déjà. Lire un livre, regarder un film, regarder des séries. Ah, ça me dégoûte. Écouter de la musique. Oh non. Mais vous savez ce que je vais répondre ? Tu peux déjà faire tout ça dans un jeu vidéo. Et bien plus encore. Adrien, c'est quoi ça ? Ça, c'est un casque de... Faux ! Waouh. C'est un passeport. Ok. Vers une infinité de mondes imaginaires. Ouais. Alors, j'aurais pu tout aussi bien citer, montrer une manette, un smartphone ou une console portable. Ça aurait été la même. C'est autant de clés qui ouvrent des portes derrière lesquelles... T'as plein de monde qui n'existe pas. Je l'ai me dit tout à l'heure. Mais le jeu vidéo, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que le jeu vidéo. Il y a quoi ? Les pizzas ? Moi, j'ose plus rien dire. Faux. Travailler, c'est mieux que... Il y a des gens qui pourraient me dire, attends, Médoc, le travail, l'épanouissement, l'indépendance. Personne ne dirait le travail, la liberté. Attention.
Travailler, non. Vous travailler, c'est mieux que jouer aux jeux vidéo. Allô. Pardon. Vous voyez dire ça? Vous entendez prononcer? C'est avec cette bouche que vous faites des bisous? Ouais. Non. Peut-être faire des bisous, c'est peut-être mieux. Non, c'est... je sais pas. On va y venir. On va y venir. Mais en attendant, travailler, c'est mieux que le jeu vidéo. C'est une take que même moi j'aurais du mal à défendre. Et je suis le mec qui a dit que le speedrun, bon, c'était pas très poli pour les devs. Donc non. Travailler, c'est pas mieux que le jeu vidéo. Alors il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? La bouffe. Manger. La cuisine. Oui, mais attention. La pizza. Les voyages culinaires. Les arts de la table. C'est mieux que jouer aux jeux vidéo, Médoc. Vous pourriez me dire ça? Ah ouais? Cuisiner, c'est mieux que jouer aux jeux vidéo? Vous savez d'où il vient, ce sticker? Ça. Ouais. Vous avez déjà essayé d'en cuisiner un? De homard? Vivant. Hein, bah, Cozy Corner 109, on a également un Patreon. Omardo. Omardo dans mon cœur. Non, faites-moi confiance, je vous assure. Jouer aux jeux vidéo, c'est ce qu'il y a de mieux comme activité. Il n'y a rien d'autre de mieux. Mais de ouf. Alors, évidemment, depuis que j'ai commencé, là, depuis quelques minutes, il y a les petits malinos et les petites malinas. Je ne regarde même pas le chat, je ne regarde même pas, je regarde vite fait. Mais il y a les petits malinos et les petites malinas qui vont dire... Médoc, moi j'en vois au moins une activité meilleure que le jeu vidéo. La bagatelle. Alors, déjà, c'est mon post-it. Déjà, ouais, tu appelles ça la bagatelle, donc on a un problème nominal. Mais pour le reste, vous avez joué à Baldur's Gate 3. Alors, elle est facile. Ouais, elle est super, elle est lazy. Oula. Elle était lazy, mais voilà, pour me punir. Sachez que j'ai un algo maintenant des suggestions YouTube flingué. Oh, t'as pas fait ça? Si, je suis parti chercher cette vidéo-là. Là, on. Non, là. Éloignez les enfants. La chaîne ban. Ah, je suis désolé. Non. Les balades, Médoc. Le sport en plein air, attends. Hey. Le dernier. Non, tu peux rien dire. Sur les balades, t'es là. Tu vois des choses, tu vois des paysages. Tu vois d'autres paysages. Les voyages, tu vois d'autres paysages. Ah ouais? Tu vois quoi comme paysage? Merde. Bon, là, techniquement, je vois plus rien. Mais tu vois quoi comme paysage? Mais vous les avez vus comme moi. Les vidéos sur le Vision Pro, là, l'Apple Vision Pro. Vous les avez vus comme moi. T'es où tu veux avec ce genre de device, avec le virtuel. Évidemment, regarde. Et ah ouais. Si t'as de quoi te payer le casque, bah t'as de quoi avoir le même appart, en fait. Oui, c'est ça. Le même salon, tu vois. Donc, évidemment, non. Il n'y a rien de mieux que le jeu vidéo. Alors, on va me dire... Mais donc, passer du temps avec tes proches... Ouais, le sourire d'un enfant. Hein, mais c'est ça. Ouais. Passer du temps avec tes proches... Avec ta famille, avec les gens que t'aimes, avec tes enfants, Médoc. C'est mieux que passer du temps à jouer aux jeux vidéo. Ah ouais? Est-ce que vous avez joué à Balatron? Bon! Mieux. Bon! Qu'est-ce que tu préfères? Et t'es là, t'as un peu de temps libre, t'as 20 minutes. Qu'est-ce que tu préfères faire? Mais oui, au bout d'un moment, faut être honnête. Oui. Moi, je peux pas être hypocrite à chaque tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Est-ce que en régie, on a genre 30 ou 40 minutes pour qu'Adrien nous explique le principe de parce que c'était ouf. C'est une catastrophe. Écoutez le floodcast. Un naufrage. Voilà. Ah non, c'était génial. J'ai adoré. Je vais me barrer, par contre. Ça fait trop, là. On est là pour m'humilier. J'en fais une hot take. Attends, je valide tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. C'est clair. Et bah, je préfère baiser. Voilà. Je te le dis, voilà. Je te contredis. Non. En réalité, non, mais... On a entendu l'étage rire. On a entendu l'étage rire. En réalité, non, mais je vais vous le dire, parce que là, on arrive et j'aime bien faire ça. J'aime bien faire la subtake. J'aime bien, voilà. Ouais. C'est là où se niche, là où se terre la subtake est ici maintenant. En réalité, le jeu vidéo, c'est mieux que la vraie vie. On sera tous d'accord, tous et toutes d'accord autour de cette table pour dire le jeu vidéo, bah, c'est mieux que la vraie vie, en fait. J'ai fait un petit tableau, alors je ne sais pas si on...
vite fait, un petit tableau comparatif. Non. Voilà, ah, ok. Ah, ouais, bah ouais, oui. J'ai pris, voilà, bon, ah, c'est bah, Twitter, ouais. J'ai truc, voilà. C'est un truc. Ouais. Voilà, j'ai pris des faits, je suis resté dans le fait. Je vous laisse regarder. Rester dans l'objectif. Ouais, ouais. Ouais. Bah oui, bah oui. Bah ouais, 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 voilà. Ouais, ouais. Bah après, la démonstration, là, elle me semble déjà bah, reposer sur un oui, processus scientifique parce que... assez carré. Bah, oui, ouais. Non, oui, parce que tu sais, moi, je les vois, les commentaires YouTube, etc. Je sais ce que les gens disent sur la hot tech et tout. Donc, voilà, j'avais envie, là, de me pointer avec ouais, ouais. Du factuel. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. C'est imparable. C'est imparable, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais. Au-delà de le jeu vidéo, c'est mieux que la vraie vie, c'est mieux dans les jeux vidéo. Et là, wow, ah, ça c'est vrai, par contre, ça c'est vrai. Oh, ah, ça, c'est... Il me retourne la tête. La explosion. Là, Supermarket Simulator, vois, là, ça le montre bien. Je fais ça. Ouais, c'est vrai, c'est vous envoyez le chèque bah, comme d'hab. Okay. Etc. C'est vrai. Je vais quand même terminer cette hot tech. Je vais péter mon crâne d'être payé. Sûr d'être payé à 100%. La vraie vie. C'est mieux dans les jeux vidéo. Les jeux de train, les jeux où tu conduis c'est des vrai, trains. Mais oui, oui. Les jeux où tu conduis des trains, les jeux où tu cleans des surfaces, tu laves des surfaces. Tu sais, Power Wash Simulator, ouais, etc. Ouais. C'est des trucs que tu fais dans la vie de tous les jours, et du quotidien, ranges. Mais qui sont chiants dans la vraie ouais, vie. Ouais. C'est ça. Et pourtant, ça cartonne ces trucs-là. Ça cartonne ces trucs-là. Pareil, tout ce qui est housing. Moi, chez moi, je fais rien. J'achète pas de meubles, je range pas. C'est dégueulasse. Ouais, bon, là, on a petit... Mais dans les jeux vidéo, le housing. Mais j'ai bâti des royaumes dans Valheim. J'ai littéralement fait sortir de terre des parcs d'attractions dans The Forest. C'était dans la vraie vie, j'ai mal monté des meubles, tout au plus. Tout au plus. Donc. Je l'ai déjà dit, alors je sais pas si c'était exactement dans ces termes, mais je l'avais déjà dit, moi, si c'était possible de me pluguer, tu vois, un câble HDMI avec du jeu, tu mets du jeu vidéo, je me plug quelque part, tu vois. Je le fais, voilà. Ça, c'est toi et le gaming, quoi. C'était peut-être même presque, je me demande si c'était pas dans le premier jour de play auquel j'avais participé. Où j'avais dit que l'immersion, moi, t'avais commencé comme ça. Techniquement, moi, si c'était possible, tu me branches un câble HDMI directement dans l'hypophyse. Toi, ouais, il passe sous la fontanelle. Ah, mais les gens entendent ça, ils paniquent en mode c'est quoi cette dystopie. Mais évidemment, mais moi ça me va très bien. Tu connais Jérémy Perrin? Très bien, mais oui. Mais c'est pour ça que je kiffe ces travaux. Tu me branches, tac, directement dedans. Tu me mets n'importe là-bas même, dans le coin. Toi, tu me prends un mètre sur un mètre sur je sais pas quoi. Je me mets, là, voilà, hop. Ouais. Gamer, toi, L1R1, et je suis bien. Et c'est Matrix le gars. Morpheus, il va le voir et il fait bon bah je me suis trompé de mec en fait. Ouais. Mais je suis le plus heureux des hommes. Tu me mets des granolas, 2-3 lingettes, je peux tenir mais des mois avec aisance, Tu vas te transformer sous la douche un peu quand même de temps en temps. Même pas. Je reste là. Et du coup, derrière, je loue mon appart pendant les JO. Astuce. Mais tu restes à la Je tente, non, c'est condamné cette pièce. Mais ils réfléchissent pas, les étudiants. Il y a un appart pendant les JO, il y aura un mec dans le placard. C'est la débrouille, la débrouillante. Ouais, t'as raison. Voilà pourquoi, pardon, mais le jeu vidéo enterre la vraie vie et tout le reste, en fait. Tout le reste. Ouais, ok. Vous pourrez, en regardant ça en replay, ou même maintenant, vous pouvez essayer d'ores et déjà de me convaincre, de me démontrer le contraire en me disant « Mais Doc, tu ne peux pas dire ça, regarde ces études qui te montrent factuellement, visuellement, que tu racontes de la merde. » Fake news. Mais ça serait peine perdue. Oh là Parce que techniquement, là, je vois rien. Et si je fais ça, j'entends rien. J'entends rien. Tel le singe de la sagesse. Ouais. Donc, Queen, si tu veux bien lancer Olbus. Ouais, écoute-moi, moi, tu m'as convaincu personnellement, je sais pas bien. Tout le monde a l'air convaincu autour plutôt, du plateau. Plutôt. Mais bon, on aime bien avoir plusieurs dimensions à nos discussions, donc on a demandé effectivement à Olbus de faire une petite capsule qu'on va découvrir maintenant. Là, techniquement, je vois rien. T'as lancé Olbus, j'entends rien, je vois rien. Non, mais franchement, Médoc, y a rien de mieux que le jeu vidéo ? Et puis quoi encore ? Moi, j'en vois des tas de trucs mieux que le jeu vidéo. Par exemple. Pourquoi on aime tant jouer aux jeux vidéo ? Intuitivement, je dirais parce que c'est fun, amusant.
faire une virée à dos de chocobo, ces fameux poulets, croisés avec des autruches issues de Final Fantasy, c'est fun. Un petit Mario Kart, c'est fun. Tryhard sur Bayonetta ou Devil May Cry, c'est fun. Mais à bien y réfléchir, ça colle pas. Tous les jeux vidéo ne sont pas fun. Ou en tout cas, ce seul qualificatif est beaucoup trop réducteur. On ne peut pas encapsuler l'intégralité de la création vidéoludique avec le mot « fun ». Le jeu vidéo est un mode d'expression, une manière unique de transmettre des idées, des émotions, des sensations. Et parfois, les développeurs et développeuses cherchent à nous communiquer de la tristesse, de la peur ou de la colère. Les jeux vidéo ne sont pas toujours fun, et tant mieux, ça en deviendrait lassant. D'ailleurs, la lassitude et l'ennui sont aussi des émotions que le jeu vidéo peut nous faire vivre, volontairement ou non. The Longing, par exemple. The Longing est un jeu concept, construit autour de l'attente. On y incarne le serviteur d'un roi fatigué, qui entre en hibernation pour une durée bien réelle de 400 jours. Pendant ces 400 fois 24 heures, le joueur erre dans un monde souterrain où la moindre action prend énormément de temps. On ne joue pas à The Longing pour s'y amuser. On vient y chercher autre chose. Une expérience de l'ennui, une réflexion existentielle, ou une émotion esthétique particulière. Moi par exemple, je joue aux jeux vidéo pour des tas de raisons différentes. Maîtriser un gameplay, explorer un univers fictif, explorer une nouvelle identité, coopérer avec d'autres joueurs, simplement m'amuser ou me détendre. Les game designers utilisent une expression que je trouve très belle pour désigner l'espace dans lequel se déroule le jeu. Le cercle magique. En entrant dans le cercle, on accepte implicitement ses règles, on s'adapte aux attentes du jeu pour pouvoir y jouer. La contrepartie, qui est commune à tous les jeux vidéo, c'est la possibilité d'expérimenter librement, sans conséquences. C'est entre autres pour cette raison que le jeu vidéo est souvent présenté comme un refuge dans les moments difficiles, une échappatoire à la cruauté du monde réel. Être libre d'essayer, d'échouer, de recommencer encore et encore pour apprendre à se connaître. Il y a quelques années, je suis parti à Montréal pour étudier. Je débarquais dans un pays étranger, j'avais pas vraiment confiance en moi. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Persona 4, un jeu dans lequel on se retrouve dans un nouveau lycée, entouré de gens inconnus. À mesure que je gagnais de l'expérience dans le jeu, j'avais l'impression de progresser dans ma vie, de m'ouvrir au monde et aux autres. Les frontières du cercle magique ne sont peut-être pas si nettes, après tout. Tu vois, Médoc, le jeu vidéo n'est pas ce qu'il y a de mieux dans la vie. Le jeu vidéo, c'est aussi la vie. Comment il t'a défoncé ? Mon crâne ! Mon crâne est éclaté ! Ah là là ! Non, j'ai peut-être pas, j'ai pas fait preuve de suffisamment de recul, peut-être. Sur manquait un peu question. De discernement sur ce coup-là. C'est tendu, ouais, 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 c'est tendu. Ouais, ouais. Le petit tu vois, Médoc. C'est le smiley qui fait un clin d'œil. Alors finalement. Bah, je sais pas quoi dire. Écoute, bravo, bravo, Olbus. Non, mais après, alors déjà, merci, Olbus, ouais, pour cette vidéo et cette claque derrière la nuque à la fin. Médoc à sa place. Ça m'a fait beaucoup de bien. Quel enfer. Il se venge. Terrible. Mais en vrai, c'est vrai que ça fait poser des questions du style, mais par exemple, qu'est-ce qu'on va chercher dans le jeu vidéo ? Pourquoi est-ce que, par exemple, Médoc, tu estimes que c'est encore mieux que la vraie vie ? Qu'est-ce que tu trouves ? J'estime pas, c'est une autre thème. Pardon, c'est, c'est important de le préciser. je dis des trucs pour après pourquoi on discute. Pourquoi c'est mieux que la vraie vie ? Pourquoi il y a des trucs mieux dans les jeux vidéo que la vraie vie? Parce que des fois la vraie vie c'est déprimant. C'est surtout la vraie vie qui est un peu. Surtout. Mais en revanche, ce que je vais chercher dans le jeu vidéo, c'est c'est rien d'original comme tout le monde. Je vais chercher des univers, je vais chercher des sons, des couleurs, du fun, des histoires. Ouais, mais comme tu le disais dans ta hot take, ça tu peux aussi le trouver dans des livres, dans des images. Ouais, mais j'aime bien être acteur de. J'aime bien, voilà. Je suis un petit peu un contrôle fric, donc j'aime bien tout, tu vois. Ça. Tout contrôler. En l'occurrence, non, mais très sérieusement, l'aspect interaction, c'est-à-dire le truc propre aux jeux vidéo, évidemment que ça me broche. Même, enfin, quand j'étais plus jeune, même l'aspect perf. Ouais, bien sûr. Performance, tu sais, que ce soit dans les FPS ou dans les jeux de baston. J'étais très dedans, c'est partie de ma life. Quoi. Et toi Adrien, qu'est-ce que tu trouves en plus dans le jeu vidéo par rapport aux autres ? Comme tu dis, il y a l'immersion, le fait de se
se plonger dans un univers, donc du coup se couper de celui dans lequel on vit, qui est bon, souvent une catastrophe. non, mais en plus, quand tu parlais de contrôle, je pense que c'est aussi ça, je pense, qui m'a plu quand j'étais plus jeune qui m'a suivi ensuite, c'est le côté quand tu te sens perdu, notamment quand t'es gamin ou peut-être, enfin, tu vois, tu comprends pas tout ce qui se passe et tout, et que t'as l'impression de pas forcément contrôler tout ce qui se passe. Mmh. Bah, justement, d'avoir un univers sur lequel t'as un contrôle, et même, à la limite, même tes échecs, tu les comprends, parce que c'est quand même des règles qui sont très simplifiées. Oui. Si je refais comme ci, comme ça. Voilà, il y a un côté, tu reprends un peu le contrôle. Enfin, pendant un moment, tu vis dans un univers sur lequel t'as un contrôle total, ou en tout cas, tu comprends les règles. Mm. Et je trouve qu'il y a un côté, je pense, apaisant aussi, au-delà de l'évasion, de se dire, bon, bah, au moins, là, voilà, il y a des règles, elles sont claires, les gens ne trichent pas. Enfin, en principe. Et ça, je trouve que c'est aussi une source d'apaisement, quoi. De savoir que il y a forcément une fin, il y a forcément une sortie. C'est t'es pas bloqué dans un. Enfin, de la même manière que tu sais que le livre, il y a une fin, le tableau, il est encadré. Mm-hmm. Le jeu vidéo, il a une sortie, donc tu sais que tu vas pouvoir le terminer d'une ça manière. Ça ne dépend que de toi. Voilà, peut-être sur des années, surtout quand on est petit, mais effectivement. Est-ce qu'on pourrait dire, du coup, que c'est l'échappatoire la plus efficace, le jeu vidéo ? Est-ce que c'est celle qui a le plus d'impact ? En vrai, pas tant que ça, ça implique... Alors, pour nous qui sommes des joueurs et joueuses... Je pense qu'il y a vraiment... Enfin, ça dépend vraiment de la manière... Pardon, je t'ai coupé, c'est terrible. C'était le seul avis contradictoire. Écoute, ce qu'on va pas, on va partir sur un grand frein à main. Comme ça, on va laisser des derrière. Comme ça, on est dans un équilibre. Non, mais ce que je disais simplement, c'était que, enfin, ça dépend vraiment aussi de ce qui, enfin, tu te formes aussi à trouver tes échappatoires, etc. Et c'est tout un système qui t'a amené là. Le mec qui lisait des mangas Dragon Ball et qui avait également une Super Nintendo, qui t'a peut-être amené à découvrir cet échappatoire-là, mais il y a des gens qui me diront, je suis désolé, mais moi ça ne me fait absolument rien, et tout sera dans le sport ou tout dans tout dans les bouquins, etc. C'est drogue dure. Le côté un peu universel du truc m'embêterait. Oui, je sais que toi t'es bien dedans. C'était vraiment pour affirmer des platitudes immenses. À toi, Non, mais je pense que je vais faire pareil. Non, en fait, c'est juste que je trouve que c'est un bon échappatoire, mais où on est limité par nos compétences de pouvoir avancer dans le putain de jeu. Oui. Et moi, je me trouve moins bonne dans les jeux que dans la vraie vie, quoi. Je suis plus frustrée dans les jeux que dans ce que je fais dans la vie en général. C'est marrant, ça. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien le stream, c'est pour ça que j'aime bien regarder des let's play, etc. Et donc, j'aime bien les jeux, parce qu'il y a le côté interaction, sensation de jeu, que j'ai du mal à retrouver ailleurs. Mm. Mais je trouve que c'est pas un si bon échappatoire, parce que des fois, on est limité par nous. Mm. Et en plus, physiquement, j'aime bien être échappée physiquement, donc la nique... un meilleur échappatoire au final. Parce que là, du coup, c'est notre cerveau qui est connecté au jeu, il vite fait nos mains, et le reste pas trop. Et j'ai besoin d'avoir un truc. Attends, le turfu avec des combinaisons à ça arrive quand peut-être. Ça arrive quand là. Bientôt, je pense. Demolition Man, on attend que ça. C'est quand là maintenant? Merde. Écoute, là, on bosse sur les coquillages, on verra. On s'en fout des vestes qui vibrent là. Vous voyez bien que c'est un peu plus bas qu'on attend quelque chose. Merde à la fin. Mais ça existe en plus. Enfin, avec la VR, il y a les machines de. Bien sûr. On ira pas trop dans cette direction. Tu mets ton pénis dans des trucs. Et évidemment, on va dans cette direction. Ça va, vous, sinon? Alors que la régie trouve à illustrer. La régie essaye de nous changer. Voilà. Le turfu, le turfu. Non, mais je me suis mise à relire des livres, là, récemment. Oh, l'antello. Oh, elle a des lunettes. Et... c'est Moguri ou quoi? Il est enlevé. Il s'est décidé. Non, mais je me suis mise à relire des livres et je trouve que ça m'a frappé à quel point il y a une contrainte technique dans la manière qu'on a de raconter des histoires dans le jeu vidéo. Il y a plein d'histoires qui pourrait exister dans le jeu vidéo, tu sens que c'est bloqué par le gameplay, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer, le matérialiser, alors que quand t'es dans un bouquin, c'est ton cerveau qui fait le travail, et finalement t'as juste question de talent aussi. J'adore Wildermyth. Moi j'aurais dit l'inverse, tu vois, Maudie, j'aurais dit que des fois les livres ça peut justement t'empêcher d'aller plus loin, genre Proust.
pardon. Mais une heure à lire une phrase. Un excellent extrême. Après, j'ai jamais lu une ligne de Proust. Non, mais ça, comme une nana, par exemple. Non, mais pardon. Non, mais il y a quand même des livres qui sont plus difficiles à lire que d'autres. Ah oui, de la même manière, il y a des jeux vidéo qui sont beaucoup plus faciles à faire. Et j'ai l'impression que le jeu vidéo peut justement te raconter des histoires par tous les signaux. La plupart des histoires dans les jeux, c'est comme les histoires dans les séries. Ils font un espèce de truc qui tourne, qui est un peu tout le temps la même chose, la même manière de le raconter. Pour l'instant, on n'est pas trop dans le dépassement pour les scénars. Alors tu vois, Baldur's Gate, je n'irais pas jusqu'à généraliser de la sorte. Il y a des séries qui sont bien. The Wire, tu vois. Plans, et la plupart des trucs, c'est comme... Des plans rythmiques, voilà. J'imagine, ce genre de choses. Ouais. Enfin, je m'en remets aux gens qui se sont intéressés un peu à la création de scénarios. Voilà. Tu peux... Attends, pardon, t'as donné la réponse. Pardon, j'étais... Non, mais je te voyais, c'est ça, je me disais que t'avais envie de... Il était non, vraiment, j'étais parti sur... Non, quelle est ta question, excuse-moi, pardon. Non, on parlait effectivement du fait du ressenti de ces scénarios dont soit la rythmique, soit les enjeux sont toujours un peu les mêmes. C'est ça que tu disais, c'est ça? Ouais. Et est-ce que toi, tu ressens ça aussi dans, je sais pas, tu côtoies énormément de gens qui scénarisent des choses, qui écrivent des choses. C'est même mon métier, j'y étais là avant de venir. Mais oui, de toute façon, il y a toujours des schémas narratifs qu'on disons que dès qu'il y a un nouveau bouquin d'écriture de scénario à la mode qui sort, tout le monde va dire c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Et puis trois ans après, c'est genre non, en fait, c'était ça. Donc effectivement, un des enjeux, c'est de s'affranchir un peu de ces trucs-là et de se dire c'est pas grave si on n'est pas pile dans les moules, dans les codes, dans les rails et tout. Mais moi, ce que j'avais envie de dire, c'est est-ce que dans les jeux vidéo, la plus belle histoire, c'est pas celle qu'on se raconte nous? Mais de ouf. J'ai envie de dire. Non, mais en vrai, c'est je le dis avec une voix de PNQ, parce que ça fait une phrase de PNQ. Mais je veux dire, moi, la première fois que j'ai joué à Minecraft, yes. Déjà, je savais pas qu'il y avait une fin, et j'étais ravi de qu'il y ait pas de fin. Enfin, ouais. De me dire, il y a pas de fin. Ouais. J'ai juste créer mon propre scénar, enfin le scénar va découler de mes actions. Ouais. Et ça m'a un peu retourné le cerveau parce que j'avais un peu l'impression que c'était le truc que j'attendais dans les jeux vidéo depuis longtemps. Ouais. Le côté c'est ce que je vais faire qui va déterminer l'histoire et pas un truc que des gars ont écrit et tout parce c'est que c'est les jeux qui marchent le plus en stream aussi. Hein. Ouais. Ouais. Les gens adorent ça que de voir comment est-ce que tu crées. C'est trop vaste. T'appropries l'univers quoi. Ouais. Ouais. Mais moi je trouve que c'est je trouve que ça il y a un virage vraiment un peu. Dans le jeu vidéo, là-dedans, le côté, vas-y, fais l'histoire. Il y a des mécaniques qui vont faire qu'il va y avoir des conséquences à ce que tu fais, mais finalement, l'histoire, c'est ce que tu vas faire et tout. Ça m'excite beaucoup. Plus que, effectivement, moi, des jeux comme GTA où, en fait, on te dit, ouais, t'as une liberté de fou, mais au final, pour commencer l'émission, faut que t'ailles te mettre sur un point jaune précis, machin, et après, t'es sur des rails à fond. Et en fait, t'as la liberté, elle est là quand tu fais pas l'émission et en fait, tu fais pas le jeu. Et je trouve que, il y a une espèce de truc à prendre, un virage à prendre, qui est déjà pris, mais ouais, bien sûr. Voilà. Bon, j'ai la fin de ma phrase, je l'avais pas, mais, je crois qu'on m'a compris. C'est parfait. Ouais. Est-ce que, du coup, vu que tu joues au jeu de rôle, et évidemment, on parle beaucoup du jeu de rôle, du parallèle entre jeu de rôle et jeu vidéo, est-ce que tu trouves qu'il y a des... Scénaristiquement, il y a des rapprochements qu'on peut faire. Est-ce que l'un peut inspirer l'autre et vice-versa? L'un inspire l'autre. On parlait de Baldur's Gate, c'est Donjons et Dragons. Quoi. Enfin, déjà, tout le système de règles, c'est Donjons et Dragons. Tout l'univers, tout ça. L'univers et Donjons et Dragons. Et donc, après, j'ai l'impression que c'est plus le JDR qui inspire les jeux vidéo que l'inverse. Mmh. Parce que, bon, déjà, les jeux de rôle, ça existe depuis tellement longtemps que forcément. Oui. Mais c'est vrai que j'ai pas tant d'exemples de. Enfin, si, j'imagine qu'il y a des jeux vidéo qui sont adaptés en jeu de rôle, mais on peut pas parler d'influence plus que d'adaptation. Alors, j'allais dire quoi. Cyberpunk, mais c'est l'inverse, non? C'est aussi un jeu de rôle. Alors, non, ça doit exister. Oh, t'as dû en avoir, bien sûr. Ouais, t'as des jeux qui. T'as des jeux de rôle ou des styles de jeux de société au long cours. Ah oui, des jeux de société. Ouais. Empruntés qui vont utiliser des devices, la technologie et tout. Ça peut te rappeler un petit peu le jeu vidéo, mais autrement, évidemment, c'est plutôt l'inverse. Ouais, j'avais fait un jeu d'enquête où à un moment tu prends ton téléphone et t'es dans une pièce ou un casque VR. Pareil, j'ai joué à ça. Tu dois trouver un temps limité pour. On a joué au même jeu. Ouais. Ouais.
Je crois que ça se joue, c'est des one shot. Enfin, ouais, plusieurs scénarios. Je sais plus. Désolé. Vous avez plus le nom, par contre. Voilà. Genre, ni l'un ni l'autre. Mais dans le chat, ils vont l'avoir. Le Monopoly, c'est faux. Il y a un truc que j'apprécie beaucoup dans le et qui en fait, parce que beaucoup de choses qu'on dit en fait s'appliquent également au JDR très souvent, ne serait-ce que sur les possibilités que ça t'ouvre, ne serait-ce que sur les règles qui sont qui viennent cadrer ton truc. Chronicles of Crime, bien joué, c'est ça, Jordi. Jordi, bravo. Bien joué, Jordi. Pardon, joué. Je... ne connais pas le jeu d'ailleurs. Bah, c'est chouette. Très sympa. Ouais. Et en fait, dans le JDR, il y a un truc que tu peux faire, et c'est ce que, je crois que c'est ce que je préfère dans les jeux vidéo, c'est aller chercher pour voir si ils ont prévu ça. Mais évidemment. Parce que dans le JDR, tu as ce côté, bon ben voilà, on rebondit, on part sur de l'impro. Mais moi, ça m'est arrivé avec, c'est arrivé avec les point and click, les jeux d'aventure, où est-ce qu'ils ont prévu une phrase drôle si je combine ces deux objets? Oui. Est-ce qu'ils ont prévu si j'essayais ceci, si j'essayais cela? Je fais la même action 30 fois, est-ce qu'au bout d'un moment, ça va dire autre chose? Mais disons, j'ai perdu énormément de temps. Et quand ça vient, en fait, régulièrement, quand t'es surpris par ça, bien sûr, mais que aussi il y a ce côté genre, et si, en fait, on avait joué au même jeu. Et que ce, alors le truc le plus classique, c'est les gens qui ont grandi avec l'école de jeu Looking Glass, donc System Shock, Deus Ex, etc. Il y a le digicode, le 0451. Généralement, le premier digicode que tu vas saisir dans le jeu, c'est 0451. Et c'est devenu un truc, c'est devenu un signe de ralliement. Un jeu arcane, on va te faire 0451 au début, et c'est là genre, ça va, on est dans le club, etc. Alors ça, il y a un côté un peu, effectivement, gardien du temple qui peut être un peu embêtant parfois. Mais le fait d'aller chercher sur un truc qui était fixe fut un temps, parce que tu n'avais pas des patchs tout le temps, etc. On ne pouvait pas rajouter. Est-ce qu'on a laissé la petite croquette pour ce que je crois être notre référence culturelle Et ça, c'est toujours un truc qui m'a vraiment fasciné et que tu peux te retrouver très vite là-dedans à être soudain pris d'une nouvelle affection pour le jeu, d'une proximité très très forte entre toi et la personne qui le crée. Soudain, en fait, c'est juste un espèce de... T'as l'impression d'avoir un gobelet chacun avec une ficelle et c'est bon, on s'est capté, etc. Et cette proximité-là, que tu pourrais avoir certes avec un bouquin aussi, là en fait la non-linéarité et le fait de se dire je vais quand même aller voir dans cette pièce et c'est pas le texte qui m'y emmène, je trouve que c'est la découverte n'en est que plus belle, quoi. J'adore. Alors ça. Là, ouais. Bravo. T'as vu le niveau, gars? Il m'a tué. Tu m'as tué. Non, mais on va. Non, chez des touristes. Ouais, non, mais là. Ouais, ouais. J'allais bien dire, pour moi, il y a. C'est cerveau. Il y a un les moment, les autres. C'était mieux que baiser. Je revois ma hiérarchie des trucs, c'était mieux. Voilà. Aidez-nous, venez nous chercher. Voilà. Je repars un homme différent. Gotos, mieux que la baisse, vous l'avez en premier. C'est le début de la saison. C'est la commence. Première. À peine. Renomme ta chaîne Twitch. Gotos, entre parenthèses, mieux que la baisse. Et effectivement, ce que j'allais dire, c'est ça crée des moments hors du temps aussi. Il y a ce côté, alors comme les livres et tout, mais il y a un côté très particulier de... On m'a à moitié tendu la main, je vais... Mais c'est pour ça que c'est pas tant de l'évasion. Tu vois, moi, le jeu vidéo, il rentre dans ma routine d'un truc qui est rassurant. Parce que ça m'évade pas, ça me fait pas sortir de mon univers. Ah, c'est un doudou. Truc dans mon univers qui manque, qui me permet de me faire du bien à ce moment-là. Mais c'est pas tant de l'évasion. Et c'est pour ça que je dis, les jeux se ressemblent tous. Par exemple, je joue à des JRPG. Quand tu commences, oui, à mais faire, alors ils se ressemblent tous, tu vois, ils sont tous sur le même modèle. Mais au contraire, c'est ça que je vais rechercher. Bah oui. Tout comme j'aime bien avoir une routine qui me rassure et qui me fait du bien. Moi, c'est plus ça le jeu vidéo, tu vois, c'est la routine qui me fait du bien. Mais l'évasion est vraiment avoir un truc qui fait. Il y a un Outer Wilds tous les 10 ans, tu vois. Il y a un truc qui vraiment t'explose le cerveau. Il te dit, là, ça me fait repenser toute ma manière de voir le jeu vidéo. Bah, il y a Undertale, il y a Outer Wilds. Tu l'as fini, oui, j'ai fini, bien sûr. Ah là non, c'est pas permis. Mais il y a 2-3 trucs comme ça, mais la plupart du temps. Et là, pour le coup, c'était vraiment de l'évasion de mon côté. Mais sinon, la plupart du temps, c'est plus le petit plaid rassurant que tu sers contre toi. Il y avait juste un truc, je voulais terminer là-dessus, Adrien. Il paraît, suivez bien le chat, je vais peut-être lâcher un truc de ouf. Il paraît que tu as un passé dans la démoscène. Ouais, alors il va falloir expliquer. Que tu n'assumes pas véritablement. Voilà, si, c'est que j'allais venir. C'est pas que j'assume pas, c'est que il faut parce que tu faire d'abord une Minecraft. Explication qui va être digne de mon pitch de balatro. Yes. Non, en gros, la démoscène. Alors, c'est quoi une démo?
Exact. Alors ça remonte à tard l'époque, comme on dit. Amiga, Atari. En gros, il y avait des groupes qui craquaient les jeux commerciaux pour qu'on puisse jouer sur des disquettes et tout. Ouais. Et du coup, pour dire, c'est nous qui avons craqué le jeu, ils faisaient une espèce de petite animation en temps réel, enfin codée en temps réel, une espèce d'effet visuel avec une musique généralement pour dire, craqué par tel groupe. Et au bout d'un moment, les gens se sont dit, mais attends, c'est un exercice qui est intéressant artistiquement et techniquement parce que c'est du temps réel, donc c'est des codeurs qui devaient faire du code ultra optimisé pour que ça fonctionne bien et que ça tourne, comme tu disais, que ça tienne sur une disquette et tout ça. Et donc du coup, ça s'est développé, cette activité-là, c'est devenu les intros, donc c'est moins de 64K et 128, et puis les démos où là, t'as pas de limite de taille. Et donc c'est vraiment... comment on pourrait décrire un clip, mais où tout est, tous les effets visuels sont en temps réel, quoi. Voilà. En réel, ouais. Et du coup, y avait donc il y a toute une scène autour de ça. Et donc il y a des démo parties qui sont des endroits donc comme les LAN pour le jeu vidéo, mais donc des événements où tu amènes ton ordi. Tu ne te douches pas pendant 3 jours, tu dors sous la table. Et avec son pour l'instant, j'entends que des choses normales. Des choses normales, ouais. Et voilà, il y a des compétitions de démos où on projette à la fin des trucs. Soit les gens arrivaient avec leur produit fini, soit ils finissaient le truc sur place. Il y a aussi des compétitions qui étaient uniquement sur place parce que tu as le thème qui est donné au début et tout. Et donc, c'est vraiment. C'est un truc de geek créatif, quoi. Ouais. Et voilà. Et toi, t'étais dedans, toi. J'étais dedans, j'ai pas eu une grande implication. J'ai participé à 2-3 démos, mais j'ai fait partie de quelques groupes et je suis allé à des démos parties. J'ai souvenir de moi qui fait le trajet à pied de la gare de Lyon à je sais pas où avec mon moniteur dans les mains et ma tour dans un sac à dos et je suis au milieu d'une cité et je fais et je fais là-bas cette tour pour exécuter un truc de 128 kilomètres. Voilà. C'est ouf. Et j'ai fait ça, j'ai fait des trucs aussi dans paumé dans la montagne et tout, enfin c'était voilà. Est-ce que tu alors non, j'en fais plus. Pardon, la question peut passer justement au sexe justement. Bravo à lui. Bravo à lui. Un peu l'un ou l'autre à l'époque. Il a réalisé la fameuse transition entre démoscène et sexe. Généralement, dans ces groupes-là et dans ces années-là, on avait un pseudo de démo maker. Tout à fait. Ça se fait demander. Alors, ça se fait demander, tu dis, ça se fait pas. Il n'y a aucun problème. En fait, sexe, mon... oh non. Non. Adrien. Non, en fait, mon tout premier pseudo, c'était Alex Kidd. Ouais. Rapport au personnage de vidéo de Sega Master System. Et c'est très vite devenu AK, juste les initiales. Qui après c'est pour ça que quelqu'un a mis ça dans le voilà. Et qui est après le AK, qui était aussi mon pseudo quand je faisais de la BD. AK, ça venait de mon pseudo de Demo Maker. C'est ça. Voilà. Il y avait une émission à l'époque sur No Life qui s'appelait Bien Temps sûr. Réel. Ah bah oui. Du coup, ouais, voilà, et qui parlait exclusivement de ça. C'est stylé. Et dont la phrase un peu, le truc un peu iconique, c'était c'est quoi une démo ? Une démo, c'est une démo. Et c'était ça la réponse. C'est quoi une démo ? C'est une démo, c'est une démo. Voilà. C'est vrai, autrement, quand on trop, explique comme ça, c'est plus facile c'est vrai, de faire rapide. C'est sûr. Mais c'était balatro, c'est balatro en fait. Ouais. Mais ça a amené à de très très grandes carrières dans le jeu vidéo, hein, la démo scène, notamment dans l'Europe du Nord. IO Interactive, les gens qui font les Hitman aujourd'hui, à la base, c'est un groupe de démo makers qui se sont foutus ensemble. Il me semble que chez Remedy aussi, qui ont sorti Alan Wake 2 il n'y a pas longtemps, c'est aussi beaucoup de gens qui se sont faits là-dedans. Jesper Kidd qui a composé Assassin's Creed, à la base c'était des pistes en 64 kilo-octets, etc. Et ça parle d'IRC. T'as vraiment fait. Oui, là, c'est pas, là ils sont partis, partis sur IRC. Mais il fallait pas préparer le truc comme ça. Et si vous commencez à parler de démoscène, évidemment que vous allez parler d'IRC, ça tombe un moment sous le sens. Quoi. On est foutu. Mais oui, c'est. C'était mon pseudo IRC à la base, avant d'être mon pseudo démoscène. Même moi, j'ai pas trop connu ça. Les devs de Returnal, effectivement, Housemarque aussi. Ouais. C'est vraiment l'une des racines principales du truc. Bah merci Médoc en tout cas pour cette hot take qui nous a. On est parti du jeu vidéo pour arriver à IRC. Quoi. Ça, c'est incroyable. On a parcouru du chemin, on a tenu la distance. Non, j'ai je vous ai coupé cure. L'herbe sous le pied. Et il est désormais temps de. Ouf, il est désormais temps de passer à la suite de l'émission. Et la suite de l'émission, tu vas voir, c'est tout à ton honneur puisque c'est
parti pour le jeu. Ouais. Oh oui, et c'est parti pour le jeu. Et c'est parti. Stade des vieux. Adrien. Oui. Nous avons tous les deux, nous subissons la même malédiction. C'est-à-dire que personne ici ne comprend. Voilà, c'est peut-être parce qu'ils n'écoutent pas. Bah, c'est non, on est en train de... Pardon. On vous dérange pas. Tout le monde est en train de grailler. Ouais, défendre avec ton truc dans la bouche. Et les amandes. Elles partent. On se rend pas compte. Elles partent, les tartelettes. Moi, j'ai... Et donc, attends. Oh. Donc, nous avons la même malédiction. C'est que visiblement, personne ne nous écoute. Mais surtout, personne ne comprend quand moi, j'explique... les règles des jeux que je vais faire sur Jour de Play. Une fois. Mais oui. Alors que toi, c'est arrivé une fois. Alors, moi, j'ai remarqué quand même que dans le Floodcast, souvent, c'est toi qui expliquais les jeux. Florent n'aime pas les jeux vidéo. Donc, Et des fois, c'était un peu laborieux. Voilà. Je me fais encore humilier. Je me suis dit qu'il y avait moyen de faire un jeu là-dessus. Donc, okay. L'idée, c'est très simple. Vous m'écoutez. Il va mal pitcher un jeu et on doit trouver lequel c'est. Je vais vous lire des descriptions de jeux. Il va falloir évidemment deviner le jeu. Et. Essayez de deviner si la description vient d'Adrien Méniel. Oh wow. Ou si c'est moi qui imite à l'écrit un enfant de 12 ans qui écrirait sur internet bon, avec un pseudo improbable. Non, mais... Du coup, il joue aussi. Ah bah oui. Ah, d'accord, ok. Peut-être qu'il ne se rappelle pas de tout. Ah oui, peut-être, il écrit beaucoup de choses. Ça fait 9 ans qu'on fait le podcast. Ah ouais, hein. Ok. Je rappelle au chat qu'à la fin du jeu qu'on est en train de faire, donc évidemment vous pouvez participer, il y aura les sondages, vous pouvez essayer de deviner les jeux à la volée, etc. À la fin de ce jeu, ce sera le tirage au sort pour le dernier tirage au sort de la soirée, quoi, pour le bundle, etc. Ce que vous avez au-dessus là, le défi de la communauté. Attention, donc il va falloir vous bouger. C'est votre dernière chance. Alors vous êtes prêts et prêtes ? Oui. Alors. Tuc. Alors attends. Faut pas trouver le jeu. Il faut trouver si c'est moi. D'abord le jeu et ensuite bonus. Ok. Alors le premier, je pense que vous allez l'avoir. Alors c'est un jeu où aucune partie n'est identique. C'est pas comme les jeux où t'as des niveaux qui sont prédéfinis. Balatro. Et c'est moi donc du coup. Je suis ravi que ça devienne un même humiliant ce truc. Voilà donc c'est merde. La description. Je suis une merde. Bah non, je croyais que c'est pas quand on trouve. Si t'as gagné. Mais non, vas-y. Je te demande pour si l'instant, je peux. Oui, t'étais bon en fait. Des gens veulent me jeter des déchets au visage aussi. N'hésitez pas. Mais écoute, je pense que ça va faire rire tous les gens qui au moins connaissent un peu le jeu. Ouais. Donc là, c'est pas comme les jeux. T'as des niveaux prédéfinis et tu joues. Là, à chaque fois que t'as une partie, ce sera jamais la même. Il faut expliquer le principe du roguelite. Gens qui connaissent pas, putain! En fait, quand t'as perdu, mais à chaque partie, tu peux débloquer des bonus potentiels que tu vas retrouver dans la partie suivante. Jusque-là, excellent, jusque-là. Jusque-là, ça va. Après chaque manche gagnée, tu as accès à la boutique parce que plus tu joues bien, plus tu gagnes de l'argent. Et après, avec ton argent, tu t'achètes des cartes joker ou des cartes tarot ou des cartes planètes, etc. Et chaque. En fait, le jeu, il a une profondeur immense. Donc, c'est dur. C'est quoi les voilà. Jusque-là, c'est une masterclass que j'entends. Mais je vois pas pourquoi. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. C'est excellent. Je trouve ça très structuré. Tout le monde est en train de jouer au jeu dans le chat. On n'a rien à foutre. Il nous écoute plus, c'est fini. Allez, je passe à la suite. Vous êtes très éprêtes ? Oui. Alors, ouais, bah, il y a ce jeu, c'est vraiment unique, tu vois. T'es là, genre, ça paraît pas sexy, tu bosses dans les assurances ou quelque chose du genre, et dans le passé, Paper tu sais. Non. Et bon, bah, ambiance pas ouf, puisque t'arrives et tout le monde est mort, genre, tout le monde. Et c'est vraiment chelou, parce Youpi que. Youpi Psycho. Non. Bon, il y a ta montre, et tu te retrouves là, comme un esprit dans les souvenirs, et tu dois essayer de comprendre qui est qui. Qui a fait quoi, tout ça. Obradine. Oui. Ah putain, j'ai bien joué. Ouais. Je comprends les deux jeux parce que j'ai pas joué. Obradine et. Est-ce que la description vient d'Adrien ou pas ? Tu bosses dans les. C'est vraiment unique, tu bosses dans les assurances. Adrien, tu. Je ne dis rien. Est-ce que. Je dirais que oui. Oui, et je dirais Adrien. Eh bien, non. C'est faux, c'était moi. C'est faux. Je l'ai pas fait le jeu, mais pour moi, c'était un jeu sur un bateau pirate. Donc, on bosse dans les assurances dans le truc. En fait, tu bosses vraiment, tu vas après coup essayer d'établir un peu le constat de ce qui s'est passé sur ce bateau. Ok, d'accord, ouais. Exactement. Donc, c'est peut-être pas les assurances, mais bon, effectivement, c'est. Ok, d'accord. Je crois que t'es une sorte d'assurance. Non, après, le jeu s'appelle vraiment Adrien ou un enfant de 12 ans. C'est marqué ça ? Je me casse. C'est hyper accueillant comme c'est podcast. C'est dingue, quoi. N'hésitez pas à venir dans notre émission. Wow. On est très sympa, sinon. Prochain jeu ? Ouais. Si vous aviez 3 amis, déjà, c'est cool pour votre vie, mais c'est surtout cool pour ce jeu. Tu rigoles pas déjà. Et du coup, on faisait le mode de jeu où tu te fais toucher, tu meurs. C'est un souvenir de ouf. De GoldenEye 64, c'est moi.
Allez, bizarrement, il réussit vachement bien. Bah, ouais, ouais. En fait, c'est... tu te souviens hein, de. Oui, bah, je peux briller un peu, ça vous dérange pas. Juste, excusez-moi. Pardon d'être valorisé à un moment. Pardon. Non, mais c'était très bien écrit. Ah, Golden Knight. T'as beaucoup joué à ça. Ouais, ouais, ouais. Avec l'écran splitté, on mettait un carton au milieu. À l'ancienne. Ouais, mais bien sûr. Tu m'as pris pour qui? Non, pardon, pardon. Ah, vous êtes allé jusqu'au carton et tout? Très, très tard. T'inquiète de rien. Prochain jeu. C'est un jeu d'aventure, comme on disait à l'époque. On perd pas son temps hein, quand on joue aux jeux vidéo, mais ce jeu dans le genre truc, qui te fait comprendre des principes de narration, des principes de comédie, et en même temps... Monkey Island. Et c'est moi, sur Combini. Non, c'est pas ça? Non, c'est, c'est peut-être ça. Ah, ok. Oh, waouh. Ouais, je suis aussi allé chercher en dehors. Moi, je pense tellement qu'on est égocentrique. Je pense qu'on est tombé sur. Je connais par cœur le mec. C'est moi, c'est moi. On est tombé sur un man qui se regarde en DVD, je pense. Ah, ouais. J'ai une excellente mémoire, je suis un zèbre, c'est la seule raison pour laquelle. Je suis failli, le mec. Ah, Monkey Island, pardon. Ok, ok, ok. Du coup, il dit que mon jeu, c'est pas grave. Mais comment ça? Bah, attends. Bah, non, bah, il est fort. Il joue, il gagne. Ok, alors je peux même pas jouer. Juste là pour me faire ridiculiser, quoi. Un truc à comprendre avec Queen, c'est qu'en fait, elle estime que le jeu est bon quand personne ne répond. Si personne genre ne gagne. Elle a gagné contre nous. Voilà. C'est, genre vraiment, c'est le game design à base de. Bah, ah, bah, j'ai gagné. Bah, du coup, je suis très content. J'ai perdu à chaque fois, donc j'ai gagné. C'est le jeu de Takeshi, le jeu vidéo de Takeshi où il passe son temps à t'insulter. Prochain jeu. Ça peut se jouer seul. J'y ai joué seul quand je suis revenu de vacances, ça m'a déprimé. En gros, bon, le principe. Non, non, vas-y. C'est que chacun dirige une petite créature qui a juste un corps et deux longs bras. Ah oui. Et en fait, Ouais. Eh oui. Et c'est moi. Eh oui. Et à chaque fois qu'il trouve, c'est lui. Eh oui. T'es en train de. Alors, c'est cool parce que je compte les points des invités. Donc pour l'instant, t'en as 10 000. Et okay. Ici, ouais, vous êtes 10 000 à zéro. Plateau à c'est zéro. Génial ce jeu. J'y ai joué avec mes neveux et mes nièces. Ouais. Et c'est tellement... vraiment en plus, jeu le collaboratif, fait... ouais. C'est rare. Le fait que ce soit hyper simple à prendre en main, genre c'est un bouton, bah tout le monde peut y jouer direct et t'as juste à dire par là, non, ouais. Ça, c'est génial. Très bonne utilisation de l'humour de paix également. Exactement, le paix de la main, pour toujours dans mon cœur. Néanmoins, hop, alors, prochain jeu si vous êtes prêts et prêtes. Oui. Je sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler, c'est un RPG... assez récent, 2000, je pense 15, mais il a un style vieux. C'est tout simple, très style vieux. Pixel, etc. C'était Antoine Daniel qui me l'avait conseillé et il m'avait dit l'argument phare était dans ta vie, il y aura un avant et un après ce jeu. Je me suis dit, c'est intriguant. Pourquoi il l'aime autant et, Fantasy XIV ? Non. Et en fait, je déteste. 400% fiction pour moi, là. Là où je le conseille, pour ceux qui connaissent, c'est cool, mais pour ceux qui connaissent pas, moi, c'est que je déteste les RPG. Enfin, j'arrive pas à y jouer. Et c'est Undertale. Bravo. Oh, mais oui, bravo. Oh là là, je suis même pas encore arrivée au moment où ça parle de leçons de vie et tout, quoi. Ah ouais, bah le côté avant et après, mais j'avoue que j'étais parti sur les JRPG à la base. Ouais, et alors, est-ce que c'est Adrien ou pas? Non, c'est clair. Non. Non. Tu dis ça par rapport au fait que. Par rapport au fait que je t'ai dit c'est pas moi. Ouais, peut-être. Ça a dû t'aider. Enfin, c'était pas la seule unique raison, mais c'est vrai que ça a joué dans la réflexion. Voilà. Sur la voie. J'avais oublié, par exemple, c'était le principe du jeu. Après, comme le but est de m'humilier, j'ai aucun scrupule à le gâcher, vu que c'est une humiliation de tous les instants. Je continue si tu veux. Non, mais oui, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est vraiment une description de jeu qui a eu lieu dans le Floodcast. Pas de moi. Oui, pas de moi. Non. Ok, d'accord. C'est Raphaël Descrac qui parle de Undertale dans le Floodcast, évidemment. Ah, il a détesté, il disait. Non, en fait, il dit qu'il déteste les RPG. En fait, comme les gens parlent, tu sais, ça se recoupe. Ouais. Et du coup, moi, j'ai pris que ses paroles à lui. Du coup, ça n'a aucun sens. Et je me suis d'accord, dit. D'accord, oui, ok. Et c'est là qu'elle s'est dit, ça n'a aucun sens. Je vais en faire. Ça peut ressembler à ce que dit Adrien. Ouais. D'accord, ça marche. Ah, celui-là, je l'adore. Est-ce qu'on a le temps pour les bonus? Parce que c'est les deux qui nous restent, c'est des bonus. Ouais, je crois qu'on est un peu. Ah, ok, on nous dit oui. Celui-là, je le kiffe parce que j'ai une histoire dessus. Donc, c'est pas moi, quoi. C'est un jeu sur téléphone. Ah. En gros, je joue avec toi. Donc, moi, sur mon téléphone, j'ai un art de cercle qui est un spectre. En gros. C'est Wavelength. Waouh! C'est moi, j'ai même pas compris le jeu. C'est Wavelength qui veut dire longueur d'onde. C'est un excellent jeu, vraiment. Tu peux nous pitcher éventuellement? Non. Ça fait partie
parti, c'était avant Balatro, c'était mon pire pitch de jeu vidéo. Ouais. Et, ouais. Mais il est exceptionnel. Mais il est vraiment très très bien ce jeu. Mais il faut que tu saches que je l'ai installé du coup pour le tester avant l'émission. Et du coup, moi, je m'étais basée sur ta description. Du coup, je l'ai expliqué à Marwan, mon copain, pour jouer avec lui. Et en fait, j'avais pas du tout compris. Ok, d'accord. Non, après, j'avais commencé en disant, il faut y jouer parce que c'est, voilà, je me lance dans des trucs. Ça finit quand même par. C'est-à-dire, par exemple, si c'est genre à une certaine position, je dis bah ça pour moi. Bah ça pour moi, c'est Francis Huster, tu vois. C'est un bon acteur, mais en même temps, selon moi, il est pas non plus. Voilà, c'est la fin. Un exemple, hein, c'est pas mon avis sur Francis Huster. Et enfin, dernier jeu, c'est probablement ma description ma préférée. T'es toujours en galère dans ce jeu, c'est ça que j'aime bien. Fallout. Waouh! Wow. Et ça correspond à énormément de jeux. Je sais que je l'ai dit. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu revends un mug de merde et puis tu le revends pour t'acheter deux cartouches. Il y a un côté galérien que j'aime bien. C'était Fallout 3 par Adrien Méniel. Ouais. Félicitations, bravo. Je pense que tu as gagné. Je re-regarderai. Après, j'étais un peu avantagé. On va pas. C'est comme ça que je mets en valeur mes invités. Il y a un équilibre. Ah ouais, non. Puis quand tu commences à vraiment répondre à t'es toujours en galère dans ce jeu et c'est ça que j'aime. Ouais. Voilà. Ouais. Immense. Immense bulbe. Alors, il faut savoir que la liste des jeux cités dans le Floodcast sont disponibles sur Sens Critique. Ils ont été listés par une personne que je remercie. Je savais même pas. Qui s'appelle Ronald Frangipane. Et rien que ça, c'est marrant. Merci, on reconnaît bien là la commu. Alors, les défis de la communauté, c'est fini. Donc, les trois personnes qui vont remporter des jeux Arte ce soir ont été désignées. Il s'agit de Eden Soul, de Justin Bredouille et de Aluc33. Il faut bien articuler hein, quand on lit vos pseudos. Ouais. Pardon tu, pas toi, tu... toi non, mais ça va. On parle du tien ou... enfin, je... Il y a le... c'est easy, il y a juste le « i », des fois les gens... Mais... Pas trop, on n'est pas là pour cibler une personne. Et... Ouais. Non, on n'est pas là pour humilier les gens et les mettre mal. Hein. C'est pas l'énergie qu'on recherche. Non, on n'est pas comme ça. Pour le premier épisode. On n'est pas sur ce mood-là du tout. Non. Allô. Bon. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé à ce jeu. Malgré tout, Adrien, merci beaucoup. Non, mais avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Ouais. Merci à vous. Malgré tout également. On est dans l'humour. Hein. Ouais, bien sûr. On est dans le lol. Je reviens dans tête pas, mais c'était sympa quand même. Je vais nous bloquer. Il va nous fermer toutes les portes. Petite actu du plateau, Gotos, qu'est-ce que t'as prévu de beau à venir Oh là 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 là, vendredi, je suis pas dans l'émission Origami, je dors. Ouais. Ouais, mais il y aura l'émission Origami, c'est ça le plus important. Tu ronfleurs là. Donc moi je peux pas m'en empêcher. T'es en train de ronquer. Non, effectivement, Origami, là on est sur plusieurs trucs. Moi demain, dans la journée, je stream du Tribes 3. Ce qui nous renvoie à une période du FPS multi un peu lointaine, où on peut skier grâce pas à des bottes anti-gravité. Ouais. Et vendredi, ce sera l'hebdo Origami, où ça va justement parler de Unicorn Overlord hein, à 13h en live. Et puis ensuite, le week-end sur YouTube, Patreon, tout ça. Il me semble que ça va aussi parler du retour du jeu Outcast. Je ne sais pas si vous avez joué à Outcast en 99. Mm-hmm. Non. Qui était une prouesse technique à l'époque, venue de Belgique. Et c'est le même studio qui est mort et qui est revenu pour faire ce Outcast 2. Et normalement, ils en parlent pendant que moi. Les autres, pendant que Rupi. Rien du tout. Très probablement en train de jouer à... Excellent. Balatro. Oui. Bien sûr. Non, j'ai essayé de mentir, j'allais dire Final Fantasy VII Rebirth, mais en fait Balatro quoi. Bien sûr. Voilà. Audi Balatro aussi. Ouais, Balatro et puis évidemment Blast, les portraits. Oui, par mois. J'espère que vous avez regardé le dernier portrait sur DSK. Est-ce qu'on comprend le DSK ou pas? La question est lancée. Et vous avez la réponse dans le dernier épisode des portraits et il y en a un par mois. Donc préparez-vous pour le prochain qui arrive bientôt. D'ailleurs, c'était incroyable parce que j'avais oublié les réactions de la presse à l'époque. Enfin bref, je n'en dis pas plus. Et encore, on n'a pas assez appuyé dessus. Des fois, il y avait vraiment des trucs horribles. On n'avait pas envie de rentrer dans le glauque. Dans le glauque, quoi. Ni de balancer des commentaires racistes. Voilà. Bizarrement. Ça m'étonne qu'il y en ait eu, c'est pas le genre. Bizarre. Raciste misogyne. Moi, je pense pas. Hein. Bon, j'ai jamais vu ça, non. Allez, on va jouer aux jeux vidéo, nous. Mais Doc, t'as prévu quoi, toi? Ça stream comme d'habitude. Demain, je découverte. Vendredi, je t'expliquerai. Vendredi, je suis chez Origami, justement. Ah, tu remplaces? Oui. Oui, mais ils vont s'apercevoir de rien, en plus. C'est ça qui est incroyable. Allez, quoi.
Allez, on n'a qu'à dire que je remplace Gotoz. Cozy Corner, comme d'habitude, un mercredi sur deux. Et on est bientôt là. Je ne sais pas si je peux. Non, je ne crois pas que je peux en parler. Non, mais le truc, c'est que c'est dans quelques semaines et dans pas tant de semaines que ça, en fait. Mais regarde pas, je sais pas. J'aurai l'occasion de. Non, mais je... vous allez me voir. Vous bah, aurez... Donne vous avez... un indice. Non, mais bah, un mot clé. Adrien Méniel. Waouh. Mais oui. Ah ouais. Tu vas mal décrire un jeu. C'est bon. Oh, wow. Allez, moi, je suis pas l'auteur de ces vannes. Waouh. Allez. Ah, allez. Hop. Mon Sonic à la con. Je vais le casser en deux. Ah non, on avait dit pas Sonic. Adrien, avant de partir en claquant la porte, c'est quoi tes prochaines actus? Alors, prochaines actus, eh bien, toujours le Floodcast, tous les lundis. La Bonne Auberge, deux fois par mois, yes. Voilà, en live sur Twitch. La Bonne Auberge JDR, du jeu de rôle sur Twitch. Et puis, je suis dans le film de Florent Bernard, oui. Qui va sortir le 10 avril, qui s'appelle « Nous les Leroys ». Oui. Qui est une magnifique comédie. Et là, en ce moment, on est en train de faire... alors, je suis pas sur toutes les dates, mais on fait des tournées d'avant-première du film. Et donc, peut-être que dans votre ville, il reste des places. Peut-être, je sais pas, ça part assez vite. Mais voilà, si vous voulez voir un très, très bon film en avant-première, je... Et peut-être, il y a certaines dates où il y a des Floodcasts en live, mais là, je crois que c'est complet, donc voilà, plus réactif, et voilà, voilà. Ah bah c'est déjà pas mal, ouais, bravo, pas mal. C'est bel, beau et calendrier. Puis, et Twitch aussi, voilà, j'ai repris récemment, là, voilà. Après je peux vraiment m'arrêter du jour au lendemain et ne plus streamer pendant 6 mois. Mais qui fait ça? Voilà. Personne, ouais. Voilà, mais en ce moment je stream un peu pour mon plus grand plaisir. Ah, et pour le plus grand plaisir de toutes ces personnes dans le chat, qui applaudissent, bravo Adrien Méniel, j'ai fait le tch, tu sais, le... Tu as commis une affrication. Ah, l'affrication, oui, voilà. Mais sur un dri, et c'était très étrange. Adrien. Adrien Méniel. Bon. On va quand même finir sur une belle surprise. Vous étiez pas mal à demander est-ce que ça va revenir en public, jour de plaie, nanani, nanana. Et moi, j'étais pas mal à vous répondre non, pas tout de suite en tout cas. Eh bien, sachez que la prochaine émission. Deux jours de play aura lieu. Ah ouais. J'ai percuté tout à l'heure. Alors elle aura lieu où la prochaine émission, Médoc? À Angoulême. à Avignon. Non. Effectivement, au Festival Frames, il y aura une émission Jour de Play en public le dimanche 14 avril à 10h. Vous aurez intérêt à vous lever parce que nous, on y sera. Et vous pourrez venir, évidemment. Je passe mon temps à menacer les gens, en fait, c'est ça mon métier. Il faudra checker sur leur site comment on s'inscrit, etc. etc. Et nous, on vous attend, hein, parce que ce sera fort chouette. Sous le soleil d'Avignon, j'espère. Patrick Beau, je t'aime. Patrick Beau, yes. On arrive. Le programme d'Arte sur cette chaîne, il se passe des choses même quand on n'est pas là. Effectivement, vous allez retrouver lundi 25 mars Salomé Sake qui va vous parler d'IKEA dans le doc. Ce sera à 18h30. Ah oui, et vous aurez un Vortex en direct le 27 mars à 21h avec Ril Myop et Monsieur Bidouille. Ça parlera des moteurs à énergie libre. Il est temps pour moi de vous remercier tous et toutes autour de ce plateau, évidemment. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous. Un grand plaisir. Merci à vous. Merci la régie. Merci Ico. Merci Arte. Merci la modération dans le chat. Mais oui. Évidemment. On s'apprête à raid la chaîne de Pierre Lapin. Oh, oui. Donc soyez cool, soyez sympa, soyez poli, mettez l'ambiance là-bas aussi. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur le Discord d'Arte, !Discord pour avoir le lien. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bye.